Monsieur Pignon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce deuxième live, la suite de notre mini épopée sur Donkey Kong Country qu'on espère finir en moins d'émissions que le Zelda Link's Awakening. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le chat. Qui n'ont pas encore évidemment répondu. Enfin, on n'a pas encore leur. Ils nous ont pas encore vu. C'est ça. À lancer le jeu. Oui, on va prendre le jeu. Récapitulatif, quand même, avant de lancer le jeu, on va récapituler. Nous en sommes au troisième monde, d'accord. Donc là, on arrive au monde de la neige. Et en fait, les deux premiers, on a fini les trois premiers. Ouais, on arrive au quatrième. Donc on arrive au quatrième, et finalement, non, il y a bien six mondes. J'étais bourré. Il y a bien six mondes et pas cinq. Bonsoir à tous. Donc il y a bien 6 mondes. Donc il nous reste encore 3 mondes. Mais bon, il faut savoir que là on arrive au monde de la neige. C'est là où c'est chiant. Ça commence à se corser, on va dire entre guillemets. Ouais. Donc quand il y a possibilité de sauvegarder, il va falloir le faire. Non mais attendez, j'étais pas là la dernière fois. C'est pour ça que vous avez galéré. Ah bah tu vas commencer. Alors vas-y, j'ai jamais joué. Non, alors je commence comme d'hab et ensuite après je vais faire passer la mallette. Ça marche. Allez vas-y, go. Allez, on y va, c'est parti. Bon, du coup, t'as. Alors. Baston. Je me rappelle plus. C'était. Celle-là. Non, c'était pas c'est celle-là. La faut que je fasse reset, c'est ça? Je sais pas. Oui, allez, fais reset. C'était la première. Ça commence bien. Premier fail. C'est déjà un fail, s'il te plaît. C'est la fête du slip. Hop. Un beau jeu rare. Oh là là. C'est un jeu rare? C'est un jeu très très rare. Facile. Pardon. Alors, hop, alors, c'est reparti. C'est parti. Tac. Pas encore. Là, on est d'accord. 20%. Allez, c'est parti. 53 minutes de jeu seulement. Non, il y avait. Il y avait beaucoup plus. Voilà. De jeu effectif sans ça compter. Compte pas, tous les... à chaque fois qu'on la map et tout, ça compte pas. Non, à chaque fois qu'on perd et tout, ça rejoint. Putain, on est obligé de revenir au boss. Ah bon? Oui. Mais bon, ça fait rien, je connais la technique. Ah, il est immortel en rouge. Oui, bah oui. Il est énervé aussi. Ah, bah merci. Ouais, il a piqué à Hutch dans Starkey Hutch. Le pull aussi d'ailleurs. Non, c'est celui de ta mère. Bah elle aime beaucoup Starkey Hutch. D'accord. Tu vois, donc ça tombe super bien. Oui, ce soir, c'est soirée breakage, man. Again. Oh là 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 là. Eh ben. Moi qui n'aime pas les moustiques, je serais assez mal à l'aise. Oui, c'est une abeille. Face à ce boss. C'est une guêpe. Oui, mais bon, si. Ouais. Non, mais d'accord, mais s'il te pique avec son dard là. Il t'envoie à l'hôpital. Et on peut dire que tu es un deuxième. Oui, tu... si te pique avec son dard, tu as les sons de Samantha Fox. Bonsoir Xenda. Ah, ok. Bonsoir, donc là, Xenda. Nous arrivons au glacier des gorilles. Là, vraiment, on peut dire que ça commence à être assez dur. Donc. Mais. Comme je suis ici pour vous montrer les souvenirs de vos enfances, de votre enfance. Regardez, hop, connais déjà un petit bonus, un petit bonus stage. Donc là, il faut que tu chopes une grenouille en or, c'est ça? C'est ça. Ah. Et là, c'est bien. Oh, j'ai encore les yeux de The Sentinel, Jim Ellison. En fait, ils sont malins, chez Rare, parce que ça, c'est le style de mini-jeu, tu deviens épileptique. Quand tu as le t'es comme ça, tu regardes. Et en plus, ça te fait aller plus loin. Alors, ouais, voilà, parce que maintenant.
Est-ce que tu, comme dans un Mario, tu as... Yeah, première vie. Ça glisse. Ouf. Oui, 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 bien entendu. Ils sont malins chez Nintendo. Les stages dans la neige glissent. Bon, j'attends que ça se réchauffe un pour jouer. Oui, voilà. Là, ça sera pas avant le... Ouais, alors déjà, voilà. Pour avoir un timing de malade, là. Wow. Ouais, facile. Oui. Tu vois, est-ce que les petits crocodiles, quand tu les défonces, ils ont un bruit tout mignon, quoi. En fait, ils sont peut-être pas... Ouais, limite, tu regrettes de leur avoir c'est sauté ça. Dessus, tu sais. Oh, ils ont un bruit de chat. Oh. C'est mignon. C'est pas grave, tu préfères Didi. Pourquoi tu préfères Didi? Il saute plus haut. Ouais, mais il est moins fort. Il est moins fort. Oh. Wow. Ah, ça y est, ça commence là. Ça y est, mais non, moi je trouve qu'il maîtrise là, attends. Oui, oui, mais moi je commence à me cagner. Pourquoi? C'est pas dur ça? Non. Ouh là 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 là. Ouais, c'est vrai que là, je commence à être en mode méga stress. Bon, alors pour te déstresser, on va te poser une question de Xandar qui te demande qu'est-ce que tu as pensé de la vidéo qu'il a faite pour toi? C'était très sympa, merci Xandar. Bon, ça, Xandar, tu comprendras qu'il est trop concentré pour te faire une vraie réponse là. Non, 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 bien entendu. Bien. Quoi? Non, non, bien entendu. Alors, non, je vais pas la tenter celle-là. Parce que... Pourquoi? Wow! Oh wow. Oui, bah c'était programmé, c'était calculé. Ouais, ça c'est gros. Et j'ai une question. Comment font ces tonneaux pour tenir en l'air? Tu arrêtes d'avoir trop de questions. Bah c'est des tonneaux de Pachabel. La légende du tonneau volant, tu connais pas? Non, je connais le canon de Pachelbel. Mais je sais pas si c'est à ça que tu fais allusion. C'est pas Pachabel? Non, Pachelbel. Pachelbel? Oui. Mais c'est un rat, c'est bien ça. C'est le musicien. C'est l'histoire d'un bel. Je ne connais pas sa famille. Je n'écoute pas de hip-hop. C'était quoi? C'était... C'est non. C'est ça. D'accord. Ça me dit rien, je n'ai pas encore vu de ce soir. Ah bon? C'est le film. Le canon de Rachel Bell. Je ne me souviens pas du film. Pour oh là là. Ah, c'est le meilleur de South Park, le film. C'est la quintessence de South Park. Alors attendez, parce que là, ça devient hyper tendu quand même, quoi. Ouais, d'accord. Ok, rentre chez toi. Même le tout nous le dit. Bon, alors a priori, on peut pas trop compter sur Jumpman, hein, sur ce, ah ouais, sur ce jeu. Bah, il faut aller à droite. C'est ça. Ouais, oui, c'est vrai que là, en même temps, on peut pas trop se tromper de sens. Alors, par contre, c'est vrai que ça fait très mal aux yeux, là. La yoga sort de ce... Pour avoir la météo, s'il vous plaît, parce que... Mais non... Mais pourquoi tu prends pas le rhino doré? Parce que j'ai trop peur. Ah ouais, c'est vrai que c'est mieux de faire ça, ouais. Ah! J'avais le micro devant. C'est ma seule excuse. Merci, bonne nuit. Ah ouais, non mais là on va y passer 4 ans là. Oh bah, fais un bisou à Okeana, elle attend. Ah bien sûr, je fais un bisou à Okeana. Bonsoir Okeana. Bisous à toi. Hop là, j'ai peur. T'as vu? N'aie pas peur, je gère. Ah. Tu gères mieux que nous, hein. Ouais, enfin là, je t'explique, là j'y suis allé en mode normal steak. Moi ça me stresse de voir qu'il prend pas ce rhinocéros doré alors que si ça se trouve c'est super important. Mais toi t'es trop rattaché à l'argent. Mais si ça se trouve c'est super important et s'ils l'ont mis là c'est bien qu'il y a une raison, non? Non, en fait ça te permet de débloquer une vie si t'en as 3. Ah oui, bah c'est vrai que des vies on en a tellement qu'on peut s'en passer de ce genre de bonus. Bonsoir. Bonne nuit Amandine. Bonne nuit Amandine. Oh là là. C'est pas grave, il t'en reste un. Ok, c'est pas grave. Je suis sûr que tu veux pas prendre le rhinocéros doré. Ça te stresse le rhinocéros. Bah, allez, écoute, vous savez quoi? Pour Argol, je vais prendre le rhinocéros doré. Bah, je sais pas, t'as plus que 3 vies, alors je me dis que peut-être ça peut être une bonne idée quand même, tu vois. Ouais, mais il faut en prendre 2 autres après, hein. Oui, mais bon. Au moins, il aura déjà. Partons du principe qu'il va quand même réussir à passer cet endroit. Surtout que, honnêtement. Ah, d'accord. Voilà. Bah, tu l'as eu. Merci, il l'a eu. Voilà, c'est bon, maintenant tu peux mourir en paix. Attendez, parce qu'il nous reste plus de vie, hein, maintenant là, il me reste 2 vies, non? On recommence du début du jeu si on perd? Non, ça garde. Donc du boss. Pas loin. Ça
vous aimez la neige, vous allez en bouffer ce soir. Non mais surtout que c'est le premier. Alors attends, c'est le premier monde. Enfin le premier stage de ce monde quoi. Oh, oh ya ya. Ah bah tiens, t'as trouvé un passage secret là, non? Con, joli. Tu savais même pas, je parie. on se demande pourquoi on s'est fait chier jusqu'à maintenant, tiens. Oh, mais ça, c'est la chance de la mort, tu sais. Oh, c'est la chance de la dernière vie. Notez-moi vite ce passage. J'ai oublié où il était. Moi aussi. Il faut regarder sur le chat. Il y a la latence, alors. D'ailleurs, il faudrait qu'on coupe celui-là, peut-être, non? Moi, j'ai coupé le mien. Allez, je vais couper celui-là. Tu as ce que le chat, tu mets pause. Alors, hop là. Ah oui, parce que je regarde là, mais on voit plus rien là. Non, moi je veux les couper pour qu'ils aient moins de lag. D'accord. Parce que la semaine dernière, on a eu du lag. C'est joli. Ah, à mon avis, c'était là. Regarde, avec les effets, tu vois qu'il y avait un petit truc, une porte. Oui, donc t'as plus de chat. Non, non, deux. Wow! Ouais, mais moi c'est parce que je suis ninja. J'aime bien qu'on me monte à la corde sans bouger. Sans bouger quoi, c'est énorme. Non, c'est bon, et tranquille. Hein. Mieux qu'un marin-pompier, dis donc. Flex, franchement flex. Des animations. Vous arrêtez de... Il est encore plus fort qu'un marin-pompier. Attention, Tatou! Parce qu'avec Tatou, c'est que je sais. Ouais, d'accord. On a sorti deux références différentes de la même époque. C'est vrai. J'ai pas entendu ça dire. C'est le groupe de musique, Tatou. Attention, il y avait des ennemis. Attention, il y avait Shiny Tattoo. Shiny Tattoo. Hé, hey, la lettre, tu la prends pas? Ah ouais, non, mais... Heureusement que c'est pas de la coop, Fred, parce que sinon je m'énerverais. Ah, ils ont plus d'images. Ça lag chez eux, pourtant... On a peut-être coupé l'image? Non. Ah, c'est quand même... Oh! Non, regarde, il y en a qui ont encore l'image. Mais ça lag chez eux. On a et on peut pas sauvegarder là? Je pense que le serveur a un petit lag. On est trop? Là, on a tout coupé. On a que les deux PC. C'est vrai qu'il y a du lag, ouais. Il y a vachement de lag même. Oh! Ah, il va me gaver le tatou là de mes fesses là. Tatou Masumon. Ah putain. C'est tout ce que je voulais faire. J'ai pas les mêmes couleurs de chat. Ouais, t'as vu? J'ai remarqué aussi. C'est marrant. Ah lui aussi, on dirait qu'il descend à la corde vers le haut. C'est ça, hein? Oula. Oh, la chute est rude. Hein. On nous dit que les tatous leur font passer à un faux gramme. C'est pour ça, c'est des tatous maléfiques. Joli. Okay. Non mais on a trop de vie en fait, c'est pour ça. Ouais, bah... Il veut remontrer le passage dans le niveau d'avant en fait. C'est pour ça, je me suis tellement gavé à ce passage du niveau il d'avant. Veut le retrouver. Il se sent tellement chaud. Ah, bon appétit à... Chaud comme la braise. Ah, je suis chaud comme la braise, mais ça serait bien que je sois moins chaud là. Jamais ça. Alors, sinon l'équipe, ça vous intéresse des bons gosses de Donkey Konga? Ouais. Oui, bah oui, parce que de toute façon, ne cherchez pas. Tout ce que vous pouvez proposer, ça intéresse Fred. Voilà. Cherchez pas. Grave. Vous avez vous un vieux, hein vous avez un vieux couvercle de poubelle, mais vous avez plus la poubelle. Ça l'intéresse. Il récupère tout. Bon, ça fait deux fois. Oh là là, mais pourquoi? Oh mon dieu. Premier game over de la soirée. Voilà donc Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je passe la manette? Non, quoi fais le passage secret. Vas-y, remonte le passage secret. Ouais, merci. Et le boss gap aussi. Et si... Ah ouais, non, tu peux pas. La nid gap. J'ai une question. Oui. Oui. Le niveau de la neige là où on était, on peut revenir en arrière après ou pas? Ah mais attends, je suis bête. Moi, je suis bête. T'as pas besoin de refaire le boss, non? Ouais, on a pas besoin de faire le boss. Bah, je crois pas. On peut passer directement. Ouais. T'as entendu ma question? Non. Quelle était ta question? Quand tu vas au premier niveau de la neige, là, que t'as passé. Ouais.
Si tu reviens en arrière, tu peux aller sauvegarder. Je peux pas revenir en arrière. Ah, on peut pas revenir en arrière. Ah, non. Une fois qu'on a passé l'écran du monde, on peut pas revenir. D'accord, ok. Ils sont malins, chérie. Il faut débloquer en fait Funky Kong pour qu'il prenne l'avion en fait. Il est où Funky Kong? Bah, il est plus loin dans le niveau en fait. Ah. Alors, Fred, il existe un Death Toy Junior maintenant. C'est vrai? Zendar va faire beaucoup de choses. Oh pétard, j'ai peur. Si Death Toy Junior vibre, je veux voir ça. Et là, bon, par contre, là, non, d'accord. Je me rappelle plus du tout le passage où il était, quoi. Bah t'avais pas fait exprès, donc refais pas exprès. Hop, hop. Ah, l'église, ça c'est bien. Oui. Ouais. Voilà. Tu peux la tuer, celle-là? Oui. C'est compliqué, vite. Oh là 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 là, crotte de bike. C'est pas un peu comme genre dans le niveau avec les chariots de la mine où tu sautes derrière une caisse. Il faut faut tomber de la caisse. Il faut se... Ah ouais, j'ai eu peur moi aussi. Ah, il y a Ocarina aussi qui va faire Death Toy femelle. Ah. Ah bien, j'ai hâte de voir ça. Allez-y, faites des Death Toys. Faites des cosplays, c'est beau. Death Toyette. Un jour, on fera les trois Death Toys. Grumpy Death Toy. Un Chimel Death Toy. Le raccourci est après le checkpoint du niveau. Oui, c'est ça. C'est vrai? Oh, pour faire Death Toy. Oh là, j'y arrive plus. Death Tolstoy. Ah oui, un communiste. C'est moi après Redson. C'est ça, Death Tolstoy. C'est vrai que c'est pas facile à dire. Oui, hein. On peut faire Henri Death Toy. Il raconterait des histoires aux enfants. Et après, il les abattrait. Ok. Ouf. Non, mais belle esquive, c'était beau. C'était juste pour se foutre de sa gueule en fait. Mega Death Toy. Mega Death Toy, ce serait pas mal aussi ça. Ça plairait à Terrence. Ah oui. Après, tu peux tout se faire, tu fais Mega Death Toy. Ouais, mais c'est un jeu de mots, Mega Death Toy. Oh, ouais, mais c'est pas possible. Non, mais non. Non, arrête. Non, c'est trop tard. Attendez, ouais, Shark Death Toy. Shark Death Toy. Shark Attack Death. Prépare un cosplay d'un pot de Nutella. Alors, Mog, figure-toi que quand j'étais en école primaire, il y a très longtemps de ça, j'avais un. Non, j'avais un pote qui avait fait pour le carnaval un déguisement de pot de Nutella. C'était très drôle. Donc son pire ennemi était en pot de Benko. Non, son pire ennemi c'était moi. C'était Croque-Witt. Son pire ennemi c'était une fausse, c'était une pillée. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mangé. Oui, j'ai mangé ce jeune homme. Ah, c'est fini pour la vie. C'est un Pokémon Mega Death Toy. Ouais, à tout le monde. Tchoum, mes amis. C'est l'évolution avec des bracelets. Des bracelets? Oui, dans le Pokémon XY, c'est en fait un bracelet avec une pierre qui permet de faire les méga évolutions. Oh, ils ont trop regardé Sensei Omega, quoi. C'était pas là. Le passage secret, c'était pas là. On va voir le méga. Le pénitent passe pas ce soir, je vous le dis de suite, on va certainement rester. Ah, il y en a un qui est pas mal, la Death Toy Story. Oui, Death Toy Commander aussi. Ok, vous connaissez pas le jeu de Toy Commander sur Dreamcast? Non. Okay. Non. C'est un jeu en fait où tu pilotes des jouets. On peut faire Death Toys R Us aussi. Oui. Ne donnez pas des idées à Fabien, s'il vous plaît, d'accord? J'appelle mon avocat. Oh là 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 là. Je me demande s'il y a un défi à partir de 100 morts. Bah oui, Fred finit en caleçon, comme d'habitude. Comme d'habitude. C'est bien. Oui, Fred. Oui, c'est le même défi que d'habitude, mais il ne l'a jamais honoré. C'était pas là. C'est pas possible. Non, mais je sais que c'est pas là. Justement, Kaina propose en caleçon. Non, j'ai rien sous mon caleçon. J'ai rien si j'ouvre un peu trop les jambes. Vous allez voir le loup. Oh non. Sano qui traite les gens d'incultes. J'ai pas vu. Bah, peut-être pour toi, Commander. Ah, Toy Commander, ouais. C'est très sympa comme jeu. Hein. Toy Commander, c'est un jeu d'un studio français. Ouais. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est précisément la raison pour laquelle on le connaît pas. C'est pas sympa. Parce qu'on a c'est pas sympa, mais bon. Parce que Ubisoft est français.
Ok. Et on connaît. Et infogrammé français. Ok. Hein ? Titus, t'es français aussi, non ? Ouais, super. Bon, tu comprends maintenant pourquoi. Ars Fatalis, c'est le. Flashback est français aussi, sans être un programme. C'était Delphine Software. Océan était français. Un jeu Adeline Software. Océan, c'était français. Océan, c'était français, ouais. Tous les jeux Atlantis. C'était beaucoup d'adaptations d'arcade. C'était. Les Chevaliers de Baphomet. C'était français, Chevaliers de Baphomet. Je pense. Je sais plus. Je suis pas sûr. Moi, je suis sûr de rien. Et encore moins du fait de ne pas être sûr. Sweetie Kino Geek. Ah, tiens, joli fond d'écran, tiens. Qu'est-ce que nous fait, Alric ? C'est que du Bleach ? Non, c'est toute la paix. Non, c'est aussi d'accord. Des autres albums de Nirvana. De tout, Rintama. Je fais bien le vautour, hein. Oui. Je fais extrêmement bien le vautour. Mais qu'est-ce que tu fais, Fred ? Mais je sais pas pourquoi, J'aimerais bien moi aussi avancer un peu, hein, depuis tout à l'heure. Donc le défi de ce soir, c'est de réussir à passer deux niveaux des neiges, hein. Niveau des neiges. Quand te reverrai. Oh, c'est bien. Non mais je rêve. Ah non mais c'est moi qui rêve le premier jour de suite. Mais j'ai l'impression que tu vas aller trop vite en fait. Bah ouais mais en même temps... Non. Joue comme la première fois où t'as joué à ce jeu. Oh bah je crois qu'il joue comme s'il avait 8 ans là. Oui donc c'est tous les origines du jump. D'accord. Toriko... IQ... Je reconnais pas Toriko. Ah oui IQ, ouais. J'ai commencé à les lire. C'est du volet. Ça c'est Nisekoi, ça c'est Belzebub qui a fini d'ailleurs. Alors je vous Naruto, explique pour ceux qui voient, en fait pour les gens qui ne voient pas, Reldric est en train de montrer son fond d'écran à Argol. Oh là là. Il y a toutes les héroïnes de Jump en maillot de bain. Ça je crois que c'est Koshikame. Et après au milieu, je sais pas, il y en a quelques-unes. Moi tout ce que je vois c'est Boobies. C'est le. Alors, je crois que c'est le décidateur de Shogokin Osama, il me semble. Qu'est-ce que tu veux que je prenne ça, c'est Rintama. Bah là, je vais faire certainement un game over, donc je te passerai la manette après parce que je commence à péter un câble en fait. Je n'arrive pas à passer à ce foutu. J'arrive même pas à arriver à la sauvegarde, c'est bon. Allez, dire. Sauf toi. C'est dingue quand même, quoi. J'arrive toujours pas à retrouver le nom d'un jeu qui est sorti il y a un an. C'est le chara design d'Half-Life, de l'illustrateur d'Half-Life. Je sais pas. Après, voilà. T'es un assassin qui a des pouvoirs. Heavy Rain est français aussi. Tout à fait. David Cage. C'est pas Nicolas ? Non, c'est le créateur de Heavy Rain, ouais. C'est de Beyond. Heavy Rain, Beyond Two Souls. Nomad Soul. Nomad Soul, il y avait aussi Fahrenheit. Fahrenheit était excellent. Mais comment tu fais, Fred ? Mais je sais pas là. Oh, tout à l'heure, je me suis bien gavé, puis là, j'y arrive pas. Je comprends pas. Ah, Merwin avait été interdit le chatroom. Ah bon ? Bah alors ? Mais qui l'a interdit ? Chut, chut, ne dites rien. Il faut faire croire que c'est pas fait exprès. Bon, voilà. Allez, je passe la manette. Hein. Allez, Hob, vas-y. Montre-lui un peu ce que c'est. Non, il m'a encore une vie. Non, en même temps, hein. Ah, pardon. Vas-y. Allez, Allez, saute dans le trou et passe-lui la manette. C'est bon. Ah, mais là, en fait, la console va avoir peur et va simplifier le jeu. Tu sais, ce principe tu dis, où t'as le grippin qui marche. Je vais te jeter. Dishonored, c'est ça que je cherche. Dishonored. Qui est Arkane Studio, qui est un studio lyonnais. Bon, racheté par BioWare. Mais... C'est pas grave, Lyon qui joue d'ailleurs ce soir en Europa League. Merci. Et demain, il fera dégager sur toute la côte est. C'est ça. Et les températures. La côte est. On a une côte à l'est. Oui. La Chine. Ah oui, d'accord. Ah Darmessia. C'était eux. Il y avait BioShock 2 aussi, qui est de. En tout cas, le BioShock Infinite. En ce moment, je suis au nord, leur dernier. En ce moment, je suis dessus et je peux vous dire que c'est juste de la bombe. Comment ? Je termine sur un beau game over. Allez. Bon,
Bah écoutez, hein. Bon, bah voilà. Merci Fred, tu peux être couché. Hein. Allez, que c'est parti. Bon. Allez, on va essayer de. Essaye de passer sans tuer le boss là. Oui, oui, oui. Prends Funky Kong. À gauche. C'est lui là ? Oui, c'est lui. Ouais, le gorille rose avec des lunettes. Chacun son truc, hein. C'est ça. Il y en a pour il tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, écoute. C'est, ça, c'est notre terrier à nous. Ça lui fera plaisir. C'est pour ça. C'est parce qu'il est rose avec des lunettes. J'apparais directement là. Voilà. Ah bah voilà, tu vois, on va pas s'emmerder. Un truc à faire, hein, on va reprendre le passage secret. Ah, aidez-moi là, parce que moi j'ai les yeux. T'as pas les yeux bioniques ? Non. T'as les yeux d'une taupe ? Moi j'avais pas compris le principe au début. Je pensais que tu allais faire la roulette. À gauche, la gauche. Totalement à gauche. Voilà. Facile. C'était trop simple ce jeu. Où sont mes yeux ? Nekocha voudrait son bisou, frère. Non, tu joues. T'as Nekocha, je te fais un gros gros bisou. Xandar, il te fait un bisou aussi. Ah ben, Xandar, je lui fais un bisou aussi. Est-ce qu'il y en a sur le chat là qui ont vu le final ? Qui ont des oui, y en a, ils ont vu le final. Mais ils en parlent pas pour pas spoiler. Mais oui, oui, il faut. Ne spoiler pas, mais est-ce que vous avez aimé ? C'est pas comme ça que t'auras la vie. Hein. Ouais. Fais le malin, mais lui il a eu deux fois la vie. Hein. Fais le malin, toi. Quoi ? Non, on a aucune groupie, effectivement, Merwin. Ah. Personne pour Eldrick Argol. Non, nous on a pas. Si, moi j'ai Sano, c'est ma groupie. Moi j'ai personne. Moi ils veulent pas de moi. Ça viendra. On bon, là, ça, là, t'avances pas trop mal. Je suis assez prudent, en fait. Ça glisse. J'ai pas les chaînes. T'as pas les chaînes ? Alors, là, ils disent oui, ils ont aimé, apparemment. D'accord. Non, c'était pas comme ça. Je peux comprendre, pour leur dernier jeu, moi, j'ai aimé Amy. Ok. Amy, c'était quoi, ce jeu ? C'était pas un jeu... Remember Me, là, je crois. Amy, c'est ta fille, non ? Oui, mais ça s'écrit pas comme ça. J'ai pleuré. Oh, Xandar a pleuré quand il a vu le final. C'est parce que je jouais mal, non? J'ai pleuré. Redrick, il est mort de rire, il arrive plus à s'arrêter. Bonne nuit, Sano. Bonne nuit, Sano. Sano. Ok. Oui, j'ai pleuré. C'était tellement merdique. Pour ceux qui sont pas premium, c'est vendredi soir, non? C'est demain, ouais. Demain soir. Demain sur No Life à 19h30. Vous voyez, 35 minutes, hein. Ah, merci à Enorial. J'y pense, Sano, j'y pense. Waouh! Waouh! Wow. Ah, qu'il me tarde, Silent Hill! Je sais, je... Oh non! tu vois que Xandar, il dit que t'as super bien joué. Merci. Ah, merci. C'est gentil. Mais pourquoi vous. Mais pourquoi? Tu as dit qu'il allait y aller. Il a dit faut que j'y aille. J'ai lu. Bah oui, Sano, t'as dit faut que j'y aille. Alors on pensait que tu partais? Ah, on pensait que tu aimais faire des choses avec les militaires américains. Qui veut mon compte pour voir la fin? Ah, il faut que j'y aille, militaire américain. Merci, Hob. De rien. Tu peux encore l'attraper. Rendons à César ce qui est à César. De qui est cette vanne? Attends. Tu parles de la pâté pour chien? Non, je parle de fuck j'y aille. À Bigard. Oui. Limite un vieux jeu d'horreur old school et hardcore. Oui, avec c'est pas dans l'orphelinat là. Si, si, avec. Elle a pas d'armes. Elle a pas d'armes et elle est. C'est dans un orphelinat anglais, un truc comme ça là. Il me semble, c'était sur PlayStation 2 même. Wouah, 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 wouah. Ah, c'est pas si vieux que ça alors. Ouais, mais bon, tout est relatif, hein. Ah, ça a 10 ans, moi. Non, je vois, pour du old school, je m'attendais à vraiment plus. En fait, Amy, c'est un jeu en fait où tu contrôles un mort-vivant, une chanteuse anglaise. Oui, d'accord, ok, j'ai compris. Je raconte mal, il est con. Bien, bien, Milo, bien, 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 t'es chaud là, t'es chaud. Là. Vas-y, t'es chaud cacao là, chaud patate. Chaud cacao. Chaud. Annie Cordy serait fière de toi. Chaud patate. Chaud potatoes. R2, comme il c'est là, non, qu'il y a le passage. Non. Non, c'est plus loin. On n'est pas encore retourné au checkpoint, donc. Alors là, tu vas très très doucement. Non, non. Hob reprend ses petits cris de panique. Ah, mais il est connu pour ça, notre petit Hob.
pour ce petit cri de panique. Je pense que si ça va être à moi de passer. Ah non ! Calme-toi, calme-toi, Bobby. Là, t'as réveillé Amy, mais pas celle du jeu. Alors, vas-y. Il est en panique. Hein. C'est parce qu'il neige beaucoup. Il neige trop. Fais gaffe, il y a un trou là. La manette marche bien. Oh, ça... ah sauvé par le piaf. Alors c'était où là après? Dans le tonneau je pense. Est-ce que c'était pas genre en l'air Non c'était en bas déjà je m'en rappelle. Non là faut que t'ailles tout droit là. Tu passes en dessous en bas du niveau tu passes. Oui non mais c'est mais pas c'est là. Ça s'envoyait pas en diagonale. C'est après en le checkpoint. Mais on l'a passé le checkpoint. Ah oui c'est vrai. Oh mais je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus où est-ce que c'était. Moi je me rappelle. Tu t'en rappelles toi? Peut-être. Tu te rappelles de mes fesses, ouais là, je crois. Ouais, ça c'est inoubliable, frère. Ça je sais, merci. D'ailleurs, t'as vu que Fabien il l'a mis en message subliminal dans le final de la saison. Tu vois mes fesses parfois. C'est pour attirer le public féminin. Non. T'es sûr? Non. J'ai pas vu ça moi. Ah merde. J'ai pas vu le même truc alors. Je pense que tu t'es trompé de vidéo sur le forum privé. Ah putain merde. Il y a Clara Morgan qui joue dans ton film. Bah oui bien sûr. Oui alors là je vais appeler Fabien, je vais lui dire. Ah merci. J'aurais droit au calné enfin. Au quoi? Au calné d'Ocaina. Ah oui c'était trop bon. Non tu n'auras pas le droit. Ah chouette alors les cannelés. I don't wanna die. I don't wanna die. Oh les gars, est-ce que depuis tout à l'heure, on est en train de loser sur le stage? Non, tu crois? Et on nous a posé une question, je crois, c'est quel est le jeu qui nous a mis le plus mal à l'aise? Le jeu qui m'a mis le plus mal à l'aise? Bon, on sait que c'est Flashback. Non. Mais, non, mal à l'aise. Oui, oui. C'est pas qui est le plus dur. Ouais, mais moi, je peux te dire, on a des vidéos qui montrent qu'il est terriblement mal à l'aise hein, quand il joue à Flashback. Et moi, le jeu qui m'a mis mal à l'aise... Moi, je sais. C'est quoi, toi ? Alien versus Predator, le 1 sur PC. Mais ça veut dire quoi, mettre mal à l'aise, en fait ? Parce que ça dépend de genre l'ambiance. Le jeu, minutes, c'est après, je pense. Loin, non c'est après, oui, c'est après. Tu sautes, après. Ouais, c'est après tu ça. Tu vas dans le tonneau et en fait, si tu vas c'est en après. Bas... Ah. Si j'avais fait la c'est campagne en bas, diagonale, loin, non, c'est impossible. T'es passé en haut et t'es tombé plus loin, sur... à côté du tonneau suivant, en bas. Tu vois là ? Ouais, c'était juste en dessous, en fait. Ah ah! Je t'y crie. Ah ah! Oh, sans forêt! On devrait faire une compile de. Faut qu'on l'enregistre. Mince! Mince! Ah, c'est bon, merde! Ah, j'arrive plus loin que vous, moi au moins! C'est pas ça, mais c'est le mec en soi qui veut dire merde et il fait. Mince! Ah! Moi j'ai fait jouer une copine à Eren, au bout de 2 heures elle est partie pleurer. Ouais mais ça nous inquiète, c'est pas comme ça qu'on branche, hein. Je te dis tout de suite. Moi j'ai fait jouer. Ah oui d'accord. Alors à tu viens mois, pas au TGS Xen? Xen? C'est qui Xen? Xenda. Ah. Pas Xeno hein. Ils doivent faire un remix du lion est mort ce soir. Et remplacer le mot lion par singe. Le singe est mort ce soir. Ouais ça peut être marrant. T'es sûr que c'était là? Mais sauf qu'il y a la petite qui dort donc on va peut-être éviter quand même. Moi je pense que on y échappe. Eux ils y échappent aussi. Donc, pour revenir au jeu, moi c'est Alien vs Predator. J'avais fait la campagne du marin. Avant, hein. Moi tous les jeux me font flipper. Ça m'avait traumatisé ces gamins à l'époque. J'ai joué 10 minutes sur cette campagne là. Moi je saurais même pas dire le jeu qui m'a fait le plus flipper. Je flippais tellement avec le détecteur mouvement qui bipait, j'étais à fond avec le casque. Mais en fait, c'est à dire que comme j'aime pas trop, ces jeux qui font flipper, j'en ai jamais fait. J'en ai jamais acheté, du moi, coup je peux pas dire qu'il y en a un qui FPS m'est fait flipper. En plus, c'était même pas un jeu. Allez, si, moi, le non, jeu, mais qui, m'a, le attention. Jeu qui m'a rendu le plus mal à l'aise, c'était Phantasmagoria 2 sur PC. Je crois dire le 7ème invité, moi. Non, c'est la 7ème table ou le 8ème invité, je sais plus. Je connais ah, pas. Ok, on peut rester longtemps là. Chut. Le pénitent. Alors, Outlast sur PS4, moi je vais l'acheter sur PC, c'est un nom, mais j'y ai pas joué encore. Et 4-5 mois que j'ai acheté, j'ai pas eu le temps de m'y mettre. Et
D'ailleurs, il y a pas mal de Lop. Clones de Douglas qui sont. Allez, je vais essayer une deuxième fois. Deuxième loop. C'était le premier. Luigi Blue dit c'était le premier tonneau en fait. C'était le premier tonneau. Le premier tonneau après la sauvegarde. Non. Après le checkpoint, quoi. Mais être mal à l'aise, ça veut dire flipper pour vous? Oui. Vous comprenez la question comme non, ça? Non, ouais, mais pas flipper, genre bah. C'est genre ouais, non, enfin. Ah non, moi je sais, c'est Manhunt qui m'a rendu super mal à l'aise parce que Les mises à mort. Ouais, les mises à mort, c'était vraiment vraiment super gore. Rappelle du jeu sur PS6, très très gore. Jamais sorti là, le jeu où tu. Mais comment tu veux qu'on s'en rappelle si il est jamais sorti? Tu utilisais une sadomaso. Ça me dit rien du tout. Ça s'appelle Kill, je sais pas quoi là. Ah putain. Killer Instinct. Non. Écoute, le jeu qui m'a le plus mis mal à l'aise, c'est récemment quand je suis allé faire une après-midi chez Terry et qui m'a fait jouer à Warlords. Je crois que c'est Warlords. Pourquoi? C'était nul. C'était nul et je me suis dit, mais pourquoi les gens? Pourquoi avoir fait ce jeu, quoi? C'est pas possible. Des jeux nuls, il y en a des milliards. Pour d'autres raisons, il y a un autre jeu qui m'a mis mal à l'aise, c'est Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. ça t'a rendu mal à l'aise, mais humide. Voilà, c'est une autre façon d'être mal à l'aise, on va dire. J'étais serré dans mon caleçon. C'est le mec, j'étais mal à l'aise. Il parle du passage avec plein de tonneaux après le checkpoint, Luigi. Ok. Ils sont en train de nous refaire la chanson complète du singe est mort ce soir. Là. Non, c'est vrai, après des jeux, je sais pas, j'ai eu 2-3 mangas qui m'ont mis mal à l'aise plus jeune. Mais ah oui, des mangas, il y en a eu, oui. Ouais, oui, psychologie, contre... tout ça, enfin. Ah ouais. Ouais, ça c'est non, bon. Non, ça je les ai jamais vus, je connais que de. Mas. C'était Gun, tout court, quand j'étais gamin. Ça t'a mis mal à l'aise, Gun? Oui, non, mais je comprends ce qu'il veut dire parce que moi aussi. Mais en même temps, quand on à l'époque, quand on regardait ces dessins animés, on avait l'habitude du Club Dorothée, d'accord? Et Akira. Et là, c'était vraiment de l'extrême violence, quoi. C'est vrai. Akira, Akira, c'était particulier, ouais. La première, oh. première voilà, fois. Voilà, celle qui me choque le plus dans Akira, c'est quand la copine à Tetsuo, elle se fait écraser dans Keneda. Je me souviens pas, faudrait que je le relise et que je le revoie. Ça me choquait à chaque alors fois. Alors j'ai la sauvegarde. Non, c'est pas là. Non, mais j'aurais regardé ce qu'il y avait. Ils avaient leur intestin par terre, ils se faisaient couper en morceaux là quand ils. Qui sont maladroits, j'ai mes intestins par terre. Ouais, au niveau manga animé, il y a. Moi, il y avait. Kara no Kyokai, le jardin des pêcheurs, récemment non là. Qu'est-ce que t'as fait là? Bah, j'ai fait qui était assez. C'est une série de 7 petits films, enfin 7 films. Je crois qu'il n'y a pas eu un 8ème qui sortit récemment. Non, je crois pas. Enfin, en tout cas, je n'ai pas entendu. J'en ai pas entendu parler, c'était assez. Coffret, je crois. Pourquoi ça parle de quoi? C'est avec des genres de. Il y a de l'ésotérisme, un peu de des meurtres inexpliqués, tout ça, mais c'est assez flippant comme ambiance, tu vois. En même temps, les Japs, ils savent faire des ambiances flippantes. Oui, parce que des fois, ils sont. Enfin, c'est nul, hein, les gars. Et alors, quel rapport? Non, mais je veux dire, des fois, il y en a qui. Oui, tu sais, ils font des ambiances flippantes. Bah, bien sûr. Ils sont des. 30 ans, quoi. Non, mais là où je veux en venir, c'est que, enfin, en général, les insulaires ont une mentalité particulière. Tu veux dire comme les Corses? Je ne parle pas de la Corse. Tu veux pas te mettre les Corses vous à dos, c'est ça? Ne passerai pas. En Jack Sanctuary, je l'ai pas lu, je les ai chez moi, mais je peux pas mettre les Corses à l'arbre. Qu'est-ce que c'est qui met mal à l'aise encore? Moi, c'est vraiment Gust et. Gust? Gun. Ah, Gun. Gust. Gust. Maintenant, je le relis. Les Gust and Roses? Non, Berserk m'avait pas dérangé. Quand non, Berserk. Gamin, mais Berserk. Gun, c'était. Je sais pas, les cerveaux qui s'étaient liquéfiés quand tu balançais les ondes et tout. Oui, non, il y avait des trucs dans. Ça m'avait vraiment beaucoup plus dérangé que la violence de Berserk. Bon, ça remonte il y a. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est alors. Pas la même violence. Donc, c'est le premier tonneau, c'est ça? Donc c'est celui-là. Et en jeu plutôt j'ai en fait faut aller en bas comme ça pour les jeux. En bas ou en bas à droite. Et bah flipper. Non, c'était pas ça. Peut-être j'avais peut-être le cœur de sang là. Non. Mais je me rappelle plus où il était le truc. J'avais passé. Alors par contre quand je veux me jeter dans le vide, hein, il va où je veux le tonneau, hein. Apparemment ils sont déçus de Warfail, ils ont dit tout à l'heure. Je suis désolé. C'est pour ça que je recommence. Bah prends-le. Ah oui. Ce qui me met mal à l'aise, c'est de voir le nombre de morts pour passer ce level. Oui, c'est vrai. Ça, ça me met pas mal à l'aise, ça me met honteux, moi, c'est pas pareil. Oui, bah, et alors, t'es pas mal à l'aise quand t'as la honte? Non.
Ah combien bon. Pour le level, on doit être au moins à 20 vies, pas loin. Oh, Fred, il en a bien fait une vingtaine, je pense à lui tout seul, non ? Il était vers les 70 et quelques. Mais sérieusement, je fais quoi là ? Bah, je pense qu'il a fait 15 morts, Fred, et que Tom, il arrive à 15 droite. Aussi. Ah oui, mais Luigi Blood, il dit en bas à droite. Luigi Blood, où exactement ? Ouais, alors au niveau des films, oui, d'accord, Human Centipede. Je l'ai pas vu et je le verrai jamais. Moi non plus. Ni le 1 ni le 2. Non. Le 2 est encore pire normalement. C'est Human 2 Centipede ? J'ai vu un cosplay d'Human Centipede. Cannibal Holocaust. Bon, non. Les gars, je vais passer la manette parce que. Bah, attends, je reteste. Avant, ah bon, d'accord. Je reteste et je te le file. Non, mais vas-y, joue. Non, moi le film à ce qu'il paraît est très dégueulasse. C'est le Serbian Movie. Je connais pas. Tu as des références qui sont assez serbes. Incroyables. Hop, enlève ta casquette. Le mec qui regarde Sharknado, quoi. Sharknado est un très bon film. C'est un film dégueulasse. J'ai oublié ce que je viens d'entendre. Hop, enlève ta casquette, c'est elle qui vous fait fail, j'en suis sûr. Allez, je vire la casquette. Ah, mais c'est parce qu'il s'était pas coiffé. C'est parce qu'il s'était pas coiffé en fait. C'est bon, je peux jouer. Je connais le Kung Fu. Ouah. Oh, yes. On dirait le. Je connais ce stream, en fait, ce sample de Olia. En fait, j'ai déjà chanté dans une autre chanson des années 90. Olia. Olia. C'est le cri de Adam Hunter dans Street of Rage. Mais en coop. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Zerk, Zéro Camille. Zéro Camille, on va dire. Oui. Ouais. Mais non, c'est Mog. C'est Mog. Bah oui, on est en train. Enfin, on a commencé. Il y a 360 minutes, mais en coop. Bah, Street of Rage, c'est quoi ? Street of Rage, Kiki. C'est en coop actuellement. C'est en cours, c'est oh en cours. Là. Premier tonneau. C'est même en coop du monde. Luigi Blue, c'est au premier tonneau. En bas à droite. Mais bon, là, il faut tout refaire déjà pour le moment. Il faut arriver au checkpoint et rien que ça, c'est pas gagné. Hein. Non, c'est pas gagné, ouais. C'est un truc de malade. Déjà que je faisais que mourir sur le premier niveau, ça me donne pas envie de tenter. Non, mais c'est pas ça, mais les mecs, quand ils ont fait le jeu, ils se sont dit bon, allez, les trois premiers niveaux, c'était de la blablate. Allez, maintenant on balance le vrai challenge là. Et après ils sont encore plus durs ou c'est que la neige là ? Bah écoute, je pense que c'est. Ah, merde. Je pense que. Eh merde. T'es le mec ? Je pense que. Eh merde. Bon, en fait, tu penses de la merde quoi. C'est les Storky ça. Ok, Nat demande à quand le prochain épisode de Street of Rage ? La semaine prochaine. Bientôt finalisé. Peut-être, normalement, pour ceux qui viendront au replay ce week-end. On rappelle que c'est ce week-end le replay. Ce week-end au replay, donc à Mont-Sartouf, samedi et dimanche, hein, donc ce week-end. Et donc, sinon, ça devrait être milieu de semaine prochaine. Ça serait être. La semaine prochaine. Chrono Cross sur PSX en US. Alors, il y a Mog qui dit, mais pourquoi vous faites pas un Secret of Mana ? On lui dit maintenant ou pas ? On est déjà en train de... On ne fera pas un Secret of Mana parce qu'en fait on a commencé une partie avec Fred il y a... Ouais, c'était une esquive de malade. Il y a quelques mois, une partie juste comme ça, hein, qui n'est pas filmée, qu'on n'a pas avancé depuis très longtemps d'ailleurs. Ouais, mais ça ne serait tardé. Voilà, et du coup on se sent pas de recommencer du début pour faire des lives en fait. Parce qu'on est quand même bien avancé dans le jeu, on a fait la moitié à peu près, donc on se sent pas de recommencer du début Secret of Mana. Mais c'est vrai que c'est dommage finalement parce qu'on a commencé ce jeu avant de faire des lives, vraiment, mais ça aurait pu être sympa de faire des lives à 3, tu vois, pour le coup. Ouais, ça va, vous galérez pas trop parce qu'entre les moments où vous jouez, enfin, il y a quand même pas mal de temps et vous galérez pas quand vous reprenez. Bah, là, on a fait que deux sessions, je crois, pour l'instant, deux ou trois sessions. C'est et là, ça fait bien 4 ou 5 mois qu'on n'y a pas joué. Hein. En bas à droite, ouais. C'est ça, hein, Fred. Ça va faire 4-5 mois qu'on n'a pas joué. Non, ça c'est la gauche, Fred. Oui. Mais non, mais il y avait rien en bas à droite là. Il y avait rien en bas. T'es pas allé voir, hein. T'as tiré du mauvais côté. Donc. Non, mais même en bas à droite, il y avait rien. Mais si, c'était plus loin, c'est tout. Alors, il y a Okaina qui voudrait que l'épisode sorte mercredi pour son anniversaire. C'est l'anniversaire. Mercredi, c'est son anniversaire. On va essayer. Ouais, ça devrait être faisable. Faut voir avec Jorus qui est en train de finaliser la vidéo en fait. Okiroki. Ça, c'est au moins Sébastien Sevran qui est en train de dire ça. C'est Mog, alors je ne sais pas. Oui. Mog, est-ce que tu t'appelles Sébastien Sevran ? Et surtout, est-ce que tu es le fils à Pascal ? En
final, est-ce que Pascal Rousseau est mort? Et oui, hein. Bah oui, il est mort. Il est mort en finale. Non, mais... même plusieurs fois. En fait. Mais c'est ça, voilà, c'est ça. Il avait un angle là, à droite là. Oui. Voilà. Non. Juste en dessous de celui-là en fait. Non, voilà. Ça c'est à gauche. C'est toujours à gauche, oui. Non, mais j'arrive pas, hein. C'est fou ça. Bon, je crois qu'on n'est pas sorti hier, je préfère vous avertir pour l'avenir, on finira pas le stage. Ce soir. Ce soir. Ah oui, non, mais. Ah, mais tu rigoles quoi. Alors, il faut quand même qu'on avance un peu. Voilà, c'est bien avancé par exemple. C'était beau, hein. Bah oui. Il a pas fait exprès, mais c'était beau. On n'est pas obligé de passer par le passage, hein. On peut finir vraiment. Ouais, non, mais bon, c'est. Non, y a rien. Donc merci pour le conseil pourri, Luigi Blood. C'est pas du tout ici, mais bon. 103. Tout à l'heure, on était tellement euphorique qu'on a même pas noté où est-ce que c'était, quoi. Voilà. Aïe aïe aïe. En fait, il faut pas le chercher. Et j'ai encore l'idée, parce que je suis en train de le tuer. Non, mais c'est bon, là maintenant je sais où il est le truc. C'est vrai que tu vas te le taper à chaque fois, hein. Non, mais ce serait bien qu'on sorte quand même un jour de ce niveau, qu'on puisse aller sauvegarder un peu plus loin, je ne sais pas moi. C'est où qu'on sauvegarde à ton avis? Ouais, dans quelques niveaux. On doit quitter cet écran et il est mort. Le grand-père, ou je sais plus qui. Grand-père. Non, c'est qui Funky Kong. Qui sauvegarde. Non, Funky c'est Kong, c'est. C'est Candy. C'est Candy Kong qui sauvegarde. Tu sais qu'il nous manque que cette lettre, hein. Si tu la prends, peut-être ça nous fait un truc, non? Non, parce que c'est pour chaque stage. Chaque niveau. Ah, d'accord. Pourquoi les abeilles font du vol géostationnaire? Bah, elles peuvent le faire. Oui, mais pourquoi? Il y a quand même une raison. Bah, c'est des guêpes surtout. Oui, les guêpes si tu veux. Mais les abeilles c'est gentil. Mais les guêpes aussi c'est gentil. Tant qu'elle t'attaque pas. Galatikatikatikatikita. C'est ça. Machu Panchu. Con de tatou de mes fesses là. Je te préfère. T'as un tatou sur les fesses? Je chantais si bien. Oh mais le truc, tu les vois pas arriver là. Elles bougeaient bien leurs fesses. Elles bougeaient très bien leurs fesses, effectivement. Bon, normalement, je devrais mourir. Mais on n'en doute pas une seule seconde. Non, c'est pour que vous ne fassiez pas des films, en fait, sur moi. Oh, on a arrêté. In a world, and one guy of Donkey Kong. It's before the school of fun. Before the school of motherfucker fun. That's the shit. La première voix off a bégayé. Mais Luigi, il nous dit d'utiliser Funky Kong pour aller dans un monde déjà fait pour sauvegarder. Sauf que on peut pas ressortir du monde là. Voilà, ouais. Si j'ai bien compris. Et tant qu'il est pas dispo, son entrée, on peut pas le faire. Voilà, il faut d'abord le trouver dans ce niveau là. Enfin, dans ce monde là. Bien. C'est ça. Bien. Ça regarde. Qu'est-ce que checkpoint, tu veux dire? Ouais. Ah, donc là, il faut Didi en fait pour monter, c'est ça? Ah, oui. Saute plus haut. Non? Il réfléchit plus. Là. D'accord. C'est à toi que je parle, Fred. Hein. Je suis en mode. Ben reviens là. Non, t'as raison. Suicide-toi, c'est mieux. Il te reste une vie. C'est du try and die, là, les amis. Du try and die. Non, toi, c'est du die and die. C'est ça. Je ne te permets pas, Bobby. Tu étais mon ami. Oui, il y a longtemps. Il y a longtemps, avant que je... C'est ça. Là, tu peux monter maintenant avec Didi. Non, il faut que tu chopes le... Ah, il faut sauter sur le... Voilà. T'es, regarde, hop là, tu vois. Ah, mais il n'y a pas le cas. Bah oui, il a raté au début, il veut pas les prendre. Mais ça fait quoi quand tu écris Kong? Une vie. Ah, putain, ouais. On peut... On devrait pas s'en... On devrait... Ah. On devrait pas s'en passer, quoi. Combien de bananes? Il faut 100 bananes pour une vie aussi? 100 bananes, oui. 100 bananes! Ce soir, on est déconnecté, je crois. On est connecté. Oh non. Fred, il est déconnecté par contre. Ah, c'est attendu, les gars. Bon, game over. Non, bah, attendez. Maintenant que j'ai vu le truc où il était. Allez. C'est pour ça qu'on fait toujours 53 minutes en fait. J'ai compris maintenant. On est là, mais. On est toujours à 53. Bah,
finalement, il y aura beaucoup d'émissions sur Donkey Kong. Bon, je teste celle-là, après je laisse la place à Argol. Oh, yes. Trial and error au lieu de try and die. Die and retry. Bon, allez. C'est quelle date, le manga Azur? Je ne sais pas. Dernière semaine, attends. Tu y vas, toi? Bah, ça dépend des dates. Tu veux ton âge ou en Normandie? Le manga Azur, je sais pas encore, c'est... Je suis en train de voir ça avec Fabien. Voir si je monte en Normandie ou pas. 26-27 quoi? Avril. Oui, c'est le week-end où je pars tourner justement. Non, mais ah, toi t'es en Normandie toi? Oui. Parler pour les gens du chat. Chat. Oh là 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 là. Moi j'irai peut-être un saut si, si j'ai le temps. Bah oui, c'est intéressant. Ouais, moi j'irai passer, j'irai voir des amis. Des vrais amis, tu veux dire? Oui, pas des gens avec qui tu joues à Donkey Kong, quoi, on est d'accord. Des gens avec qui je peux me savonner. Oh, quoi, quoi On n'a pas la même définition des vrais amis. Est-ce qu'on a tous compris ce qu'on vient de comprendre? Ils m'ont pas entendu, mon pote. Tu as connu des amis ou en prison? Tout bien considéré, les gars, vous n'êtes pas des vrais amis pour moi. Je vous déteste, même. Oui, bah, je suis content. Bon, personne n'a parlé nous, Béreldry. Après, moi, je me balade. Hein, parce que on habite à Toulouse. C'est ça. Ouais, il y a quelqu'un qui dit bisous Amandine et Fred et Hob. Donc j'imagine qu'Amandine, oui, c'est moi. J'imagine bien. Merci, bisous Conrad. Bon alors c'était... Ok. What? Oh, ça nous on fait rien avec les amis. Tu n'as rien loupé. Mais... Et maintenant que tu veux tomber à côté, t'y arrives plus. Fais comme d'habitude quand tu voulais réussir. D'accord. Je crois que c'est parce que tu... Il y a deux diagonales différentes en fait. Tu prends celle qui est trop latérale. Sinon tu peux essayer à partir de celui d'en bas. Hein. À partir de celui-là, tu peux essayer, non? Ah putain, c'est pas con ce que tu viens de dire. Bah non. Non, c'était à gauche par contre. Conrad, c'est Vince. Ah, c'est Vince de Radio Geek. Conrad, salut Vince. D'ailleurs, une grosse bise à... À Rod, c'était sa fête aujourd'hui, c'était la Saint-Rodrigue. C'est vrai? Eh oui. Ah bah Rodrigue alors. C'est vrai que c'était sa fête, j'ai vu ça sur le calendrier. Ah ok, super. C'est juste en dessous en fait. Bah oui. Bah oui. Bien, une vie. Récupère une vie, on est chaud patate, on y croit. Hop là. Allez, c'est parti, c'est parti. Là, le mec. C'est ça. Il a glissé, il s'est rompu la nuque. C'est vraiment oh, c'est le live de la loose là quand même. Ah bon? On a vu pire. Ah bon? Sur quoi? Je sais plus. Sur Flashback? Ouais, par exemple. Mais c'était pas un live? Heureusement. C'était pas live. Heureusement, c'est sûr. Putain, t'imagines le nombre de lives qu'il aurait pu faire, fallu faire sur Flashback? Je pense qu'on aurait vieilli en live en fait. C'est ça. Oh là là, ça, le bleu, ok. Mais je maintiens ce que je dis, hein, j'ai l'impression que tu veux aller trop vite dans le niveau. Tu veux faire style tu maîtrises, mais je crois que tu peux pas faire ça pour l'instant. T'es un ami. Toi. Écoute, on se savonne pas encore ensemble, hein, donc... tu peux peut-être récupérer une deuxième vis, c'est bien ça. Attention, t'as tout pour réussir. J'ai allumé le WC. Prends les bananes. Hey Fred, est-ce que tu as fini Link Between Worlds? Oui. Il me semble que tu l'avais déjà fini. Ah ouais. Tu l'as fini? Bien. Comment est la fin? Elle est super. C'est... Ok.
Fred, pouvez-vous raconter vos vacances en 200 pages? C'était bien. Voilà, c'est ça. Non, elle est très bien et limite une petite larmasse à l'œil quand même. Hein. Donc c'est vraiment un bon jeu. Je trouvais que la fin était assez... comment dirais-je? Allez, encore une banane. Oh putain, j'y crois pas. Zendar qui parle noob au Pixtech à Nîmes le 24-25 mai. Qu'est-ce qu'il y a au Pixtech? Noob au Pixtech, pardon, j'ai compris noob au Pixtech. Genre, c'est ça, 25 mai, c'est mon anniversaire et la fête des mères. Je me fais encore arnaquer, ça. Ouais, personne te souhaitera ton anniversaire. Non, jamais, à chaque fois, je peux avoir. Putain, mais... Ouais, tu pourrais de la soupe. J'ai pas écouté, en fait. C'est pas grave. Et tu auras pas de la soupe. Parce que c'était le cadeau d'anniversaire. Ah. Putain, c'est fou, donc ça, je l'ai pas compris, effectivement. J'arrive pas. Mais les stages, ils sont hyper durs, là. Je comprends pas. Calme-toi. Bon, allez. On peut faire du Rodrigue. Ouais, mais... Alors, on nous demande si tu seras dispo pour la convention à Nîmes le 24 et 25 mai. Pas du tout, d'ailleurs, je n'étais pas au courant de cette convention. Du calme, hein. Mais Zendar venait de poser la question. J'ai répondu à... Bah oui, c'est parce qu'il l'a posé que je l'ai lu. Reldric, on t'aime. Merci, aimez-moi. Ah, mais c'est toi qui viens de le... Attends, Reldric a dit Reldric, on t'aime. C'est ça, c'est toi qui t'envoie des messages d'amour. Allez, c'est bon. T'as un autre compte, on le sait. Tu l'as automatisé de chez toi pour qu'il te dise ça. C'est un bot. Et grâce à Twitch Play Pokémon. Voilà, c'est ça. J'ai créé un bot exprès pour envoyer des messages. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux pas savoir, en fait. Con. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, monte. Non, sors. Passe. Allez, vas-y. Sors. Prends la clé. Allez, donnez. Tu l'as fait ta fanpage? Ouais, juste avant de venir. Ah bah voilà. Vas-y, balance le lien là sur le. Vas-y, fais péter. Oh là. Oui, j'ai mis les trois pages en fait dans les. Dans le message d'aujourd'hui. D'accord. Yeah. Ouais. Je vais mettre simplement Argol Hob, à chaque fois j'ai mis directement les. Ouais, t'as bien fait. Les pages. Oh non! Attends, je t'ai fait avoir par un bébé vautour, quoi. Ah mais le truc il est trop bien placé, quoi. Il t'a touché avec son bout rouge. Surtout que là, t'es... Sans commentaire. Surtout que là, t'entends... Enfin, je pense qu'il veut se lier d'amitié avec toi, du coup. Ouais, j'aimerais bien un tonneau, moi. Tu sais, pour avoir... Ouais, une autre... Ivrogne. Ouais, tiens, prends ça. Voiture de Comédis Spectreman. Allez, go. Tiens, prends ça, Greenpeace. Ah. Dodo. Ouais, ça sera cut si tu meurs. Mais non, tu meurs pas. Tu peux pas mourir. T'es trop fort. N'oublie pas. On croit en toi, Fred. Je trouve ça bizarre quand t'as Donkey Kong derrière Didi sur la corde. Ils sont en train de lier une amitié farouche. Belle esquive, c'était pas fait exprès, mais belle esquive. C'était magnifique, ouais. Je crois que je suis un peu pissé dessus. j'aime bien la sauvegarde de la mort, quoi, qui est juste au-dessus d'un tonneau dans le vide. Mais non. Ah non, maintenant ils ont remis. Qu'est-ce que t'as mis comme photo de couverture? De quoi? Portal en photo de couverture. Donc il faudra qu'on t'apprenne que les couvertures des pages 360 minutes pour survivre sont normalisées et donc ce sont des photos de 360 minutes pour survivre. Mais tout le monde, non. Bien sûr que non. Non, ce que tu as, Jorus qui a Scott Pilgrim. En même temps, on s'en fout, personne va sur sa page. Jorus, je savais même pas qu'il avait une page, moi. C'est qui Jorus? Fallait bien que je rebondisse là-dessus. Comme sur le singe là. Attendez, parce que je suis en mode, mais vraiment panique là. Ouais, t'as une lettre. T'as trouvé le point G. Oh, con. C'est tout le monde qui aime porte.
Là, je suis d'accord, je voulais m'acheter un t-shirt spécial Portal Tortue Ninja et ils le font plus. Ah mince, c'est dommage. Je l'ai, je l'ai pas commandé la dernière fois. Oh là là. Ah bah oui. C'est le prochain niveau qu'on peut sauvegarder ? Non, on sait pas. Ah, c'est un niveau aquatique là par contre, j'ai l'impression. Ah, je déteste les niveaux dans l'eau. C'était pour Gaël, je crois, ton collègue. Oui. Ah, t'as bientôt une vie, t'as bientôt une vie. À chaque fois il tombait sur seul. Oh, en plus elle te suit ce garçon rentre. Le piège, c'est... C'était trop facile. Fallait pas être trop avide. Trop gourmand. Allez, la vie. Voilà, c'est bien. L'avantage, c'est que Didi est rapide quand même. Hein. Moi, je te conseille de garder Didi quand même. Hein. Tu crois qu'il est plus rapide ? Oui, il est plus rapide. Attendu quoi. Ils ont une sacrée apnée quand même. Ah ben le gorille du Congo est réputé pour son apnée à travers les tonneaux. Ouais c'est ça en fait. Tu vois il est quand même pas si lent hein. Quoique. Oh. Ça s'appelle avoir un poulpe au cul. C'est ça. Et d'ailleurs si le poulpe t'attrape, je le cul. Tu peux changer là, en prendre le nom de Didi ou pas ? Ouais, comme ça. Ah mais ils sont super vicieux parce qu'ils te mettent les mecs qui apparaissent... Au dernier moment. Ouais. Ah, c'est pas grave, écoute, il y a le checkpoint. Ouais, le checkpoint... Ce serait bien qu'il y ait... que... Ah putain, j'aimerais bien pas perdre là. Bah alors ne perds pas. Fais gaffe que c'est là que tu t'es fait avoir avant. Pas loin de là, quoi. Ici, ouais. Exactement à cet endroit. Famille Pong qui est le champion du monde d'apnée. C'est pas faux, c'est pas faux. Ah bah à chaque fois, ils te foutent les requins en scrot, quoi. Ouais, ils arrivent du point de l'écran, tu comptes c'est où. Ah ouais, non, mais c'est abusé, quoi. Non, je trouve ça injuste. C'est injuste. Sur des niveaux comme ça, je me dis que je comprends pourquoi je ne joue plus au jeu de plateforme d'avant. Ah bon ? Ouais. Trop de crise de nerfs. Moi, ça me rappelle Echo the Dolphin. Ouais, en moins dur. Parce qu'il y a des singes. Oui ? Oh là 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 là, c'est fou là. C'est fou là. Non, mais ça m'énerve parce que je suis sûr que le truc est juste en haut, tu vois. Zen. En plus, la musique zen elle t'énerve. C'est le grand bleu. Attention, le regard. Voilà. Ok. On nous dit sur le live que ce ne sont pas les niveaux les plus durs. C'est bien, c'est encourageant. Non, bah d'ailleurs, on galère moins sur le niveau de l'eau quand même que sur ah le oui. La neige tout à l'heure. Hein. Oui, clairement. Ah oui, non, attention aux deux requins là. Reste au milieu. C'est pas grave. Ouais, bien. La fin quand même pas juste là. Hein. Ouais, ils sont trop malins les mecs. Ah. Saloperie de labyrinthe en plus là. Ah ouais, mais c'est clair. Ouais, là, tu peux pas t'arrêter en fait. Ouais, mais c'est super vicieux quoi.
Tu vois que j'ai dû dire vicieux 14 fois ce soir. Ne perds pas ici, hein. C'est horrible ce jeu. Flappy Bird. Exit. Oui. Bah, c'était tendu là. Hein. T'es sérieux là? Ah, y'a Sano qui te parle, Argo. Oui, les premiers tests de FNGG sont tombés. Très bien. Bon, en même temps, va lui parler. Non, il te donne que. De quoi? Même si j'étais pas un grand fan de son disque, c'était déjà bien à l'époque. Il me donne que des conseils. Le 10, oui, c'était bien à l'époque. C'était un couloir. Oui, c'était un couloir parce que t'as fait que la quête principale, c'est tout. Voilà, laisse tomber. Les jeux d'où je viens. Ok. Ah, j'ai peur. C'est limité. Allez, on va pas. Non. Tu peux pas les jeter, les trucs d'huile? En plus, ça fait bien mal. Ah, ouais, non, c'est clair, c'est Epilepsie Man, quoi. Ah, ouais, non, mais là, si je suis pas en train d'avaler ma langue dans les 5 minutes, je préfère vous avertir que je suis. T'es mort. C'est à côté qu'on sauvegarde là-bas? Ouais. Ouais. Oh là là. Faut passer ce stage. C'est ta dernière vie? Ouais. J'ai pas une. Je sais combien de bananes là? 55. A chaque fois que tu te retournes, je fais une mini attaque, hein. Je suis en train de mourir, quoi, je regarde. Occupe-toi du PC qui s'est mis en veille alors. Oh, magnifique. Ça, c'est pas possible. Ah mais avec vu que tu vois pas à cause de la lumière, c'est super chiant. Merci. Alors, je recommence où là? Ah oui, t'es obligé de tout recommencer là. À la neige. Oh, c'est fou. Désolé, quoi. Hein, ce genre, c'est la vie, quoi. Ah non, mais c'est pas possible, mais. Y'a des codes? Bon, on va voir ce que ça donne. Hein? Non, non, y'a pas de code là. Non. Mais non, mais on a bien avancé, mais. On n'utilisera pas. Alors, de je code. N'ai jamais joué à ce jeu. Dépêche-toi. Ouh! J'ai soif! Tu connais les boutons? Sauter et saisir avec Y? C'est quoi déjà pour changer le. Select. Personnage? Et pour faire un super saut, c'est. Non, c'est enfin, c'est pour courir? C'est pas le bouton rouge. Non, c'est Select pour changer de perso. Moi, tout à l'heure, dans le monde aquatique, c'est sur ce bouton-là que j'ai appuyé. Je vais où là? En haut. Hein, pour courir, enfin faire le super saut, c'est avec Y aussi? Pour courir, c'est avec. En maintenant le bouton de saut, ouais, c'est ça. Ah, de saut? Regarde, test. Ne t'inquiète pas, tu as loupé le début, on recommence. On est au même niveau. Ah ouais, donc ouais, on va refaire les bonus et tout. Ah ouais, attends, je... Bonsoir à tous. Bonsoir ouais, à tous et bienvenue sur ce live. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce live qu'on a à peine commencé. J'ai pas vu, j'ai cligné des yeux au mauvais moment. Moi aussi, à droite. C'était... Voilà, c'était pas à la droite. Ok. Oh, c'était pour me... Go, go, Argol Ranger. On va essayer. C'est bien, parce qu'en plus, c'est le Power Ranger sert. Merci, et... Merwim. Ah, t'as vu, je peux faire des roulades. Oui. Mais reste sérieux, quand même. Non, mais parce que nous, on a... Attends, cet homme-là, il a fini tous les Megaman. Elle est quand même capable de bien jouer à Donkey Kong Country, non? Ouais, bah ouais, t'inquiète. On compte sur toi, Argol. Alors, Argol, est-ce que tu as vu le projet Cousteau des Lego Megaman? Le projet Cousteau? Cousteau. Cousteau. Cousteau, c'est les... En fait, c'est une sorte de Kickstarter pour les Lego. Non. C'est de là que viennent les Lego Retour vers le futur, Ghostbusters, etc. Mais je lui ai sauté dessus, pourquoi il m'a tué, lui? J'ai pas compris. non, j'ai pas vu ce projet. Voilà, donc il y a un projet en cours de validation qui demande des votes pour des Lego Megaman. Ouais. Mais arrêtez avec cette danse, j'ai pas envie de danser, moi, c'est pas possible. Haha. Quelle danse? Je sais pas. Bien, montre. J'avais mis toute mon énergie pour passer ultra vite là et putain, on arrive à ça. Ils sont malins les mecs quand même. Malins ou sadiques? Sadiques? Oui, sadiques.
T'as dit Carmo? Dans le générique de fin, il y a marqué Marquis de... Quoi? Oh, belle esquive, t'as vu? Oui, t'as loupé le tonneau. C'est ça, il faut pas aller prendre les tonneaux. Hein. Ah, ça va, je joue bien alors. J'imagine ça. Les mecs de Rare à l'époque. Ah, oh, c'est samedi, qu'est-ce qu'on fait? Si on torturait des chatons. Regardez, je viens de dépecer un gorille. Très bien, ça va nous servir. Tu crois que la 3D est super bien faite, pourquoi? Ah putain. D'ailleurs, ah, mais... t'as pas vu l'édition collector avec la boîte en peau de gorille? Putain, on est vraiment des quichas, quoi. Ça fait une heure de jeu, on n'a pas passé le monde, quoi. Quoi, ça fait à peine une heure? Ouais, 1h10. Je m'attendais à pire. Donc là aussi, t'as failli l'esquiver, là. Non. Tranquille, je gère. Faut pas stresser, c'est... Parfois, je me demande si Argol n'est pas britannique, avec ce flegme. Ça va? Oui, ça va. Ça, tu dis ça parce que tu m'as pas entendu parler anglais. Bonjour. Ah ouais? Bonjour, non. Il est britannique, effectivement. T'as un bel accent. Bon, je découvre petit à petit, mais j'avance. Je perds de plus en plus loin, donc c'est un bon signe. C'est bien. Enfin, disons, je perds jamais deux fois au même endroit. C'est normal, un chevalier ne perd pas, ne perd jamais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bah... Je pars du principe que... On a passé les 5 vies, hein. Ah bon? J'en ai que 5. C'est un moment, hein. Ouais, c'est vraiment... Faut y aller tranquille. Moi, je suis sûr qu'en y allant tranquille, ça va le faire. Oui, oui, mais pas trop quand même. Ah, t'as essayé de rebondir sur la... Oui, je pensais qu'on pouvait. Fallait me le dire qu'on pouvait pas. 120. Tu sais, Fred, il y a une expression qui dit plus c'est bon, toi, plus Fred, c'est bon. C'est toi, Fred. Hein. Je sais pas à qui tu parles, mais... Il se parle à lui-même, en fait. Je suis Alain Delon. Il vous en prie. Ah, j'étais trop loin, dommage. Ah, mais tu sais, quand on aura passé 400 fois le stage, on l'aura bien compris. Ah, mais tu l'aimes bien, celle-là? Oui. C'est ma guêpe préférée. Con. T'as vu cette esquive? Ouais, ouais. J'ai pas compris. T'as vu cette moule? Ouais, ouais. Le cas. Le cas, merci. C'est Captain Planet, Redrick. Le cas. Avec un cas comme un casino. Bah ouais. Eh bah, je l'ai pris, tu vois. Non, c'est le rhinocéros. Ah oui, c'est le rhinocéros. Mais j'y suis pas encore. Ah, oh, ça fait deux fois. Ça sera pas pour tout de suite. Bonne nuit, Xandar. Bonne nuit, Xandar. Bonne nuit, Xandar. Bonne nuit, Xandar. Et pense à Fred. Oh non, ne pense pas à moi, canard. Je touche la cuisse, là. Je me sabote. En tant que vrai ami. En tant que vrai ami. Si on se savonnait un jour tous, on allait tous au bain. J'imite très très bien la voix de Diddy Kong. Se moque pas. Ah, mais ah, je t'explique. À l'émission de Silent Hill, tu commences le jeu. Elle te dit, je joue pas. Hein. Ça sera que des lives spécial hub. Spécial hub. Ouais. Nous, on est juste là pour rigoler. Pour rigoler. Pour commenter. Surtout pour le coacher, quoi. Pour commenter. En fait, on va dire que le prochain live, 360 minutes, hub, c'est un challenge pour toi. D'accord? Est-ce que tu acceptes le challenge? Ah oui, j'accepte le challenge. Alors, par contre. Il faut te dire une chose, c'est que pendant ce live, il y a des moments où on te fera peur, mais on te le dira pas. On te le dira pas. Pour bien te mettre dans le truc. C'est bon, il n'y a plus de cœur. Alors, les amis, je préfère vous avertir de suite. Le prochain live sur Silent Hill, c'est une émission spéciale Hob. Donc. Silent Hob. Donc, oui. Jay Silent Hob. Donc, Hob sera le seul à jouer à Silent Hill. Par contre, pour le déstabiliser pendant cette émission, on aura des couteaux. Il aura le droit parfois à des petites surprises, des petits cris qui arriveront au bon moment. De nulle part. Cette émission sera aussi. Il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on la trouve. On la tourne dans le noir. Je suis en train de voir. Je vais voir pour. Alors, si vous avez une dans le coin une webcam infrarouge, je suis preneur. À me prêter. On vous la rendra à la fin du live.
Voilà. Sinon, avec de l'ampleur. Voilà, tu vois, le chat, ils ont raison. C'est eux qui nous diront quand te faire peur, en fait. Merde. Ouais, donc je ne lirai pas le chat. Non, non. Non, tu seras concentré sur l'écran. Hey, Moonwalk! Wow. Silent Hub. Ok, checkpoint, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils sont ravis de te faire souffrir. Ah ouais, mais non, mais Hob, il va souffrir, mais alors plus que le chat, même avec nous, quoi, je te dis de suite, quoi. C'est fou, là. C'est, limite, j'ai presque envie d'arrêter Donkey Kong. Non, non, il faut finir Donkey Kong. Il faut finir Donkey Kong. Ah oui. Je crois qu'on en est capable. On va le finir. Bien. Kinect 2.0. Ah, regarde. Non, 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 non. Ah, mais il est rapide, celui-là de tonneau. Quel homme. Allez, allez, c'est quel bon. Homme. C'est bon là, ça y est là, il est dans la matrice là, Argol. Ah, c'est là non, qu'il y a le passage. Mais non, si, il avait raison, c'était, là, c'était ouais. En bas. Pourquoi tu dis non toi? Parce que c'était celui d'un côté. Mais j'ai appuyé trop tôt, oui. Je me demande si on n'a pas un Kinect 2.0. Non, on n'a pas de Kinect 2.0. Pourquoi on aurait un Kinect 2.0? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Parce qu'en fait, la caméra est infrarouge dessus. C'est vrai? C'est ce que nous dit Witchy Blood. Ouais. Ah, peut-être Terry? Non, mais Kinect 2.0, c'est sur quelle console? C'est 360 ou Xbox One? Oh, merde! Parce que 360, oui, Terry, oui, peut l'avoir. Bah, à mon avis, non, c'est Xbox One, non? Et j'aurais vu que c'est 2.0, j'aurais bien dit Xbox One. Mais... Oh. Oh, mais cette émission, elle va être juste énorme là. Ok. Mais j'avance. Mais il me reste plus qu'une vie donc. Quand on fera. Alors. On fera comment pour dire. On fera comment? Putain, Hob, tu vas prendre cher. Oui. J'ai hâte d'y jouer, en plus je le connais pas le premier. Putain, moi je le connais à peine le premier, je m'en rappelle à peine quoi, s'il te plaît. Et dire que, en plus, moi ça va, je suis content parce que ça me met pas la pression. Je sais que je vais pas jouer. Je sais qu'il y a que Hob qui va jouer. C'est Xbox One. Ah non, mais de toute façon, attends. Même et si voilà, je... une vie, allez. Même si je... Non, ouais. Non, non. Si. Bah si, pourquoi non? Non, tu vas en gagner t'a... plus. Il faut que tu... Prends... Ouais, faut que tu prennes le maximum de... Il est un peu lourd, hein. Et nous, en même temps... Non, non, mais Titi, avance, avance, tu t'encaignes de monter. Ça fait combien de vies ça? Ah bah voilà. Ah c'est bien. Bah très bien. Ah par contre je recommence de là. Ah donc c'est Xbox One hein, le Kinect 2.0. Bah ça tombe bien, aucun de nous a une Xbox One. C'est ça. N'oublie pas, c'est une émission de retro gaming. Pourquoi je veux pas avec la Xbox One? Parce que on n'a pas les moyens de s'acheter une Xbox One. D'ailleurs, moi j'avoue que si j'ai les moyens, ce sera la PS4 d'abord. Grave. Ah oui, sans problème. Ah, parce que y a quoi comme licence actuellement sur Xbox One? Il y a la licence 4. Raté. Oh. Oh. c'est le mec qui parle quoi. J'ai une question, pourquoi c'est Hob le souffre-douleur de 360 minutes? Parce que c'est Hob, c'est, la minorité. Un peu notre, c'est un peu la minorité grecque. Donc il faut qu'il prenne cher. Mais attendez, parce que quand on va jouer à Silent Hill dans le noir. Alors, après, il faut qu'on fasse des tests dans le noir, même sans infrarouge. Voilà, attention, je veux dire, là où j'ai un avantage, c'est que je suis pas obligé de jouer dans le cahier, donc vous pourrez prendre le relais. Hein. Ça va être marrant. Bon. Ok. Ah, mais pourquoi tu. Hein? Bah, mais je sais pourquoi. Pourquoi? Écoute, il faut je me familiarise avec le timing. Pourquoi tu viens de niquer tes trois vies là, comme ça. Bah, tu vois, heureusement je les avais prises, hein. Pauvre merde. T'es le mec qui s'énerve trop, tu sais. Bah, je sais pas, t'as pas vu jouer encore, Adric. D'ailleurs, Adric, là, après ce game over très très proche d'Argol. Je suis là pour encourager mes amis, d'accord, et te s'abonner aussi. Il n'y a pas que moi comme souffre-douleur, il y a Eldric aussi. En fait, on est tous les souffre-douleurs des nains de l'herbe. Hop, il fait des petits cris dont il a peur et c'est trop fun. Ah oui, c'est super méga fun. Le premier
premier Kinect sur 360 fait du infrarouge aussi. Je viens de le découvrir. Ah! Qui a Terrence c'est un Kinect, mais je sais pas s'il nous placera. Hein. Sérieux? Oh le radin. Oh le radin. Bien joué, GG. Niveau, là. Il faut voir la qualité. Il faut que je joue, s'il te plaît. Ouais, ouais, moi, je joue qu'une seule fois aussi. Après, il y a le caméscope de Jorus qui fait night shot, mais on n'a pas réussi à le brancher en webcam. Faudrait jouer à Silent Hill. Si mon appareil photo, qui doit faire. D'ailleurs, vous savez qu'on va tester l'Oculus Rift ce week-end en replay. Ah, génial. C'est pour ça que j'y vais. Ah ouais, c'est pas pour nous. Ben ça tombe bien. Quoi? Ça tombe bien. L'Oculus Rift, c'est le. L'Oculus Rift. Oculus Rift. Oculus. Un indice, ça se met pas sur la tête. Oculus Anus Dilatatum. Quoi? J'ai fait le tatou là. Tatou, ouais. Tatou, ce que je veux. Son verre dans le brun des yeux. Mais arrête, fous lui la paix ce cas. Non. Non, c'est lui qui me veut. Il me veut, je le sens dans Mais ses yeux. Pourquoi il monte tout seul à la corde lui? C'est parce que les cordes le montent, les cordes le redescendent. Ah. Du coup, c'est un peu chiant. Voilà. Alors, ça parlera de nos stress pour la convention la semaine prochaine. Non, et pistole, tu parles du Clermont-Ferrand là, de Clermont-Ferrand à qui? Oh merde, je sais plus parler. Mais... Tu parles de la Clermont Geek Convention, non? Quelque chose comme ça. Il y a un truc de particulier que tu attends stress ou Non, pas du tout. Et hop! Tu fais exprès pour me passer la manette en fait. Oh, tu vas prendre. Mais j'ai peur, c'est pas ma faute. Hop, Rédric sera le prochain à prendre. Je t'aurais arrangé un essai avec Rémi, il a une version de dev. Oui, non, mais ça fait rien, on va le tester en vrai là. Donc c'est bon, y'a pas de soucis. Hein. Ouais. Ah, il fallait que je la balance là, non? Énormément. Il y a une case de réalité virtuelle, il y a Sony qui devrait annoncer le sien dans 2 semaines. Ouais. Fin du mois. Ouais, il est très bon en tout cas au niveau design. Hein. Bon, je sais pas si c'est des vrais visuels ou pas. Mais c'est pas un casque de réalité virtuelle, Sony? C'est pas plutôt un genre de cinéma ou. Non, ils l'ont déjà fait ça. Ça existe déjà par contre. Ah ouais, quelques années, ah oui, déjà fait deux ou trois ah oui, oui. Par contre, c'est un vrai casque de réalité virtuelle comme le ouais, ouais. Ouais, parce que d'ailleurs, le casque cinéma de Sony, il a un gros défaut, c'est qu'il était ultra lourd. Et tu finissais, tu regardais un épisode d'une série, tu faisais. Tu mourrais. Ah non, tu finissais. Tu devenais Christopher Reeves. C'est ça. Par contre, faudrait. J'allais dire Stéphane Hawking. Pour l'Oculus, faut essayer de pas vomir. Voilà, on va passer par là. Des gens qui ont le mal de mer au bout de quelques minutes. Le jeu est fourni avec qu'il un saut. Qu'est-ce que je fasse là? Tu fasses dans l'ordre. Ah bon? Tu fasses la lettre Kong. Voilà, c'est raté. Ah. Ah oui, donc Kong commence par banane. Bah, je sais pas, vous m'expliquez pas alors. Oh, Merwin qui demande quel est le jeu le plus hard auquel vous ayez joué. Le jeu le plus hard? Laser Suite Harry? Ah non, on parle de dur? Laser Suite Harry? Laser Suite Harry? Le jeu le plus hard auquel on ait joué. Emmanuel. C'était pas un jeu. Ah. C'était pas un très bon film non plus. Hein. Non, c'est clair. Surtout qu'on était même pas né quoi pour Emmanuel. Ouais, c'est net. Ah, mais j'avais la cassette à la maison. On veut pas savoir. Ouais. La collection de mes parents. On veut pas savoir non plus. D'accord. C'était des soirées douches avec mes parents. Oh merde. On a dit qu'on touchait pas au papa maman. Non, par contre, eux. Par contre, oui, on serait pas là autrement pour Monsieur vous dire Garrison, de la merde. Juste là-bas. Si nous papa maman, c'est le test Rama, au niveau de complexité des énigmes. C'était un jeu. Télérama. Télérama. Futurama. Un jeu qui se passait dans un vaisseau, t'avais des énigmes sur Télérama 1,5. Il fallait faire des calculs en base 2, en base 16 et en base 8. Joue toi. Alors que c'était un jeu pour adolescents. Bah, merci de nous prévenir, les gars. Le jeu, c'est complètement con. Mais ouais, t'as gagné une vie, t'es mort, s'il te plaît. Il était pas dur, mais moi j'ai bloqué longtemps sur Indiana Jones et la dernière croisade sur Stamiga, je crois. T'arrivais pas à choisir la bonne coupe à la fin? Non, en fait, il y a un passage où tu es dans la fac et tu dois. T'as les élèves qui te traquent dans le film, tu dis ouais, mais on veut nos devoirs et tout. Et en fait, il fallait leur mentir pour pouvoir s'échapper. Et j'ai mis super longtemps pour comprendre ça parce que c'était pas logique pour moi. Parce que t'es trop honnête, c'est pour ça. C'est bah, ça. Je suis ultra dur, j'ai Echo. Echo, Super Ghost and Goblins. Mr. Nets. Ouais, Mr. Nets, c'est dur, je mais. Je l'ai pas eu, mais Echo, je. Ah, Mr. Nets, j'ai galéré. Alors, Mr. Nets, j'étais vraiment sadique avec. Enfin, masochiste envers moi-même, parce que c'est un jeu auquel j'adorais jouer, mais c'était super dur, quoi. Mais en question musique et esthétique, il était vraiment très très beau. Tiens, Dargol. D'ailleurs, Dargol. Dargol. J'ai pensé à toi. Je me suis pris Street Fighter versus Tekken à 9€ sur PS3. Ouais, j'ai défoncé Reldrick hier. Je
te propose alors, tout à l'heure de défoncer. Après, j'en avais marre, donc j'ai pris des petits persos. Il m'a ouvert. Tiens. Oh. Ah, ben bon, on va finir cette émission loose sur sur Eldric. Alors, Argol, tu prends ta place, Eldric. Ou Argol prend sa place. Non. Je prends sa place. Bah, si, oui, c'est pareil. Tiens, donne-moi ton micro. Pourquoi ? Tiens. J'aime bien couper les micros. Je t'ai dit que c'était interdit de couper les micros. La prochaine fois, je t'ai trop bien avec la fille. Vous dites-moi les boutons. Sauter, courir. Ok, on a Fred qui fait le French Cancan. Le jeu le plus dur, moi j'ai pas répondu du coup. Je vais y réfléchir et je vous donne. La cartouche de Street Fighter était pas mal dure quand même. La cartouche de Street Fighter ? La cartouche était dure, ouais. Le plastique. Ah, par contre, moi j'aimerais bien un jour une émission, un live avec Argol qui finit Street Fighter en niveau 8. Ouais, on peut faire ça. Ouais, c'est faisable ou pas ? Oui. Fred, de quel côté je me dirige ? À gauche, à gauche. À gauche. À gauche. Tu montes. Pas là, à droite. Non, voilà. Tu remontes. Le jeu le plus dur, je pourrais citer. Alors, les jeux les plus durs que j'ai fait, il y a eu Mega Man 9. Monter à qui est extrêmement difficile. Ah oui, c'est pour monter le point. Oh oui! Oh oui! Le jeu. Le fan-made type Mega Man. Versus Street Fighter. Non, le mec dans la forêt là. Fred, tu sais ce que c'est toi? Ah, Battle Master, non? Non, pas c'est pas Battle. La cartouche est plus perte transparente. Battle Kid. Si, y a... Il faut connaître le jeu par cœur. Ouais, genre, mais genre le truc genre Super Meat Boy, les conneries comme ça. Voilà, voilà. Il y a aussi. Comment il s'appelle l'autre là? Super Meat Boy. Wizard and Warriors. Wizard and Warriors, oui. Il est dur. Il y a aussi. Moi j'ai le 3 sur NES. Zelda 2. Ouais, Zelda 2 est pas... Le jeu aussi en vidéo là. T'as déjà des fans qui disent Eldric est dans la place, ils vont enfin gagner. C'est pas pour te mettre la pression, non, hein, c'est mais ils le connaissent pas encore. Ils se souviennent pas de la semaine dernière. En fait. Dynamite Eddy, je l'ai encore sur Mega Drive. D'ailleurs, c'est Sanosake qui me l'a offert. Ah bah, c'est lui qui parle. T'entends les cris de singe ? Oh là 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 là. Ou quoi ? Putain, si ça c'est pas Joe. Le mouleux ? Ouais. Ça c'est Joe la moule. Je crois qu'on a notre Joe la moule à nous. Bah écoute, ça nous fera pas de mal, je pense. Hein. Vous savez quoi ? Je pense que le projet. Vous savez quoi ? Je pense que pour avancer un petit peu, la prochaine émission, j'irai jusqu'à la sauvegarde. La sauvegarde du monde de neige, parce que ça, on l'a déjà fait pour éviter de se retaper ça encore. Oui, parce que si c'est pour revoir le même live, effectivement. Moins intéressant. Parce que j'enregistrerai jusqu'à la sauvegarde et on se fera ça. Ok ? Ça marche. Alors, Kogiko nous deux dit. Semaines, là. On fait pas de live avant 3 semaines. Kogiko vient de voir le final de Noob. C'est épique, vivant demain pour le revoir sur nos lives. Il y a Eric aussi, de quoi ? De quoi il y a Eric aussi ? Non, c'est épique, non ? Non, il y a Eric aussi. Kogiko est de retour. On est plus que 26 sur le chat. On a fait partir tout le monde tellement on est mauvais. Ah mais grave. Non mais l'émission Silent Hill sera très bonne. D'ailleurs, Tom, oui. Est-ce que peux-tu éteindre la lumière 2 secondes? Je veux voir comment ça rend. Écoute, il y a Kogiko qui te dit que c'est Florent Gabel. Hé Florent Gabel. Non, éteins toute la lumière, éteins là-bas. Non, et éteins le... Voilà. Bien, en fait, hein. En fait, on le voit bien parce qu'on a la lumière de la télé. Eh ben, on jouera comme ça. Qui t'a offert Dynamite Eddy ? Bah, c'est toi. Non, il y a moi aussi, c'est ça. Et Argol aussi. En fait, il a fait un carton. Mais en fait, on peut même éteindre la lumière et laisser comme ça. On est très, très intimiste. Ah oui, on va pouvoir être des vrais amis bientôt. Ouais, on va pouvoir se frotter. Je sens le savon. Je me caresse avec celui-là. Le dernier épisode de Noob est sorti, Jumpman, non, il sort demain. Mais ceux qui ont les participé, premium, ouais. les comptes premium ont pu le voir dès aujourd'hui. Ça vous a plu alors ? Ben j'ai pas vu. Merci. Ben non, je suis pas premium. Ah ! Ouais, non. J'aime bien ce que le singe se fout de ta gueule, hein. Ouais, mais c'est un sale... Je pense que on va rester sur ton game over, on va arrêter là ce soir parce que on va pas aller jusqu'à 23h parce que là ah on bon oui, parce que ça ne servira à rien.
Ah bah vas-y, mais Street Fighter 2, je te le fais maintenant, moi. T'es capable de faire Street Fighter 2, là? Je pense, ouais. Alors, est-ce que sur le chat... Parce que là, il y a du défi, là. Lequel filles. Le Street Fighter 2 normal? Ouais, le premier Street Fighter 2. Attention. Est-ce que... Alors, on va terminer l'émission Donkey Kong Country sur peut-être le Game Over futur de Reldrick. On continuera pour le prochain live. Par contre, Argol, là, vient de nous dire qu'il va tenter de finir devant vous Street Fighter 2 sur Super NES en mode 8 étoiles. En mode 7 étoiles. Allez, bah c'est parti. Alors, on finit sur. Bon, on l'enterre pas totalement quand même. Je vais chercher le jeu. Tu sais où il est ou... Oui, je sais où il est. Je vais le chercher si tu crois. Il n'y a pas Camille Sano dans Street Fighter 2. Camille ? Non, elle est dans le super. Elle est dans le super. Comme T-Hawk et... Et DJ Félong, et Félong. DJ et Félong, ouais. Bon, maintenant j'ai un problème avec les sauts, là. Les tonneaux. C'est avec ça. Et voilà, c'est un game over pour ce soir. La Super NES. Mettez-moi une manette de Mega. Oh, mais est-ce que tu peux nous sortir encore plus d'excuses pourries? C'est possible ou pas? Ouais, ouais. Est-ce que tu pourrais sortir genre ouais, mais en fait j'avais la cheville tordue ou... J'ai mal justement à la cheville. Voilà, ah non, je ferai pas le truc avec Guile, Sano. Non, le défi avec Guile, c'est pas la peine. Le défi avec Guile. Oui, sur le groupe Beat Them Festival sur Facebook, il y a un des mecs qui a lancé un défi sur Street Fighter 2, je sais plus lequel. Où il faut faire un... Enfin, c'est un défi, celui qui fait le plus de points, mais en faisant le jeu avec Guile. Et avec Guile, c'est pas trop la peine. On va changer de jeu. Avec Guile, faut le maîtriser, c'est comme... comme ça s'appelle... Vega Watt, quoi. C'est... Allez, vas-y. Tiens, je vais me mettre au milieu. Hop là. Ah, je vais me mettre de l'autre côté. Tiens, je trace le micro. Sur le micro. Hop là. Bon, là, ça va être chaud. Alors là, parce que... Attention, il est 10h30. On a fini Donkey Kong Country. On recommence le live Donkey Kong Country à la prochaine émission. Ah, dans 15 jours. Là, bon, j'enlève la limite de temps par contre. Cette fois, Argol tente de finir Street Fighter 2 sur Super NES en mode 7 étoiles. C'est bon quoi, t'es chaud là? Ouais, c'est bon, t'inquiète. Ah, ça va. Quel va être ton perso? Ryu. D'accord, facile. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi pas? Le jeu a bugué. Le jeu a bugué, oui. Ça commence bien. Du thème principal. Ils veulent parler de quel thème principal de Street Fighter? Zero Kami? De quoi? Non, Zero Kami qui demande une version de Smoke McGraw du thème principal. Mais de quel jeu? De Street Fighter. Street Fighter, je suppose. Ça serait bien, ouais. Ou le thème de Ken aussi. Ouais, je sais pas s'il a fait, non. Je sais pas. Oui, il a fait le thème de Ken. Le thème de Ken, il l'a fait. Voilà. Le thème de Guy, il a dû le faire. Moi, ça c'est un truc que j'ai jamais vu faire en vrai. En fait, tu verras que l'IA n'est... Il y a que ça comme perso sur... Sur le premier, ouais. Tu verras que l'IA est pas super... C'est ça, c'est Street Fighter 1. Non, c'est sur... Street Fighter 2. 2. Et d'ailleurs, tu peux pas choisir deux fois le même perso. Ouais, mais moi, plutôt... Moi, sur Mega Drive, c'est la Championship Edition, comme ça, où j'ai tous les boss, en fait. C'était Street Fighter 2 Turbo, en fait. Non mais en fait c'est l'équivalent de Street Fighter 2 de Turbo. J'ai les 4 boss. Tu as mis un ou deux rounds? Tu peux pas changer là, c'est obligatoirement 2. Ah merde. Ah dommage. Ouais. Tout ce qu'elle m'a enlevé. Con. C'est déconné hein. Ah oui c'est déconné, elle t'a fait un coup. Elle... Bon déjà un round, c'est bien. Ah j'ai laissé le temps, tiens j'oublie. Elle m'a mis un coup, elle m'a enlevé un quart de vie malheur. Et c'est que Chun-Li quoi. Zangief, il tue une one shot. Normalement, le combat le plus difficile pour moi, c'est Blanca. C'est-à-dire ton combat contre Terry? Ouais, c'est un peu ça. Non, mais avec Ryu, si tu veux, c'est compliqué, Blanca. Quoi. Niveau 7, en tout cas. Mais oui, parce que Blanca, c'est un troll. C'est ça, Blanca is a troll. Je pense que les mecs qui ont fait ça, ils sont juste gavés, quoi. Je sais pas si d'autres. Enfin, j'imagine que les gens connaissent. T'es gentil, jeune. Ouais. Bien. Edin. Allez, Edin. Y'a combien? Il y a 8 plus 4 boss. Enfin 7 plus 4 boss parce que tu peux pas jouer contre Ryu là.
Non, c'est il y a 7. 7, puisque Ryu c'est moi. Pas que ça, Otech. J'en ai eu comme problème. On a eu tous les problèmes. Tous les problèmes du monde, on a eu. Je crois qu'il y a même un de nos potes. Ah bah voilà, tiens, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Cash malgache. Cash malgache, quoi. Voilà, c'est tendu. Tu perds un crédit ou pas ? Bah, le but c'est ça. C'est ça le défi en fait. Comment ça fait mal là ? J'aime beaucoup l'attaque de Blanca, le presse-agrume. C'est ça. C'est vrai que tu vois que les jeux de baston ont quand même gagné vite. À peine. Aïe 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 aïe. Il s'énerve là. Bien. Yeah. Oh, c'était chaud, hein. Bon, il y a quand même un deuxième round, quoi. Ouais, et puis généralement dans les deuxièmes rounds, les ouais, les ils sont plus énervés souvent. À cette époque-là où moi je refusais de jouer à Street Fighter parce que je voulais jouer à World Heroes. C'était juste énorme. Mais la version arcade, hein. J'ai un fan qui me doit m'envoyer un job. Oh, excellent. Super NES. Excellent. Moi, en fait, j'avais la chance d'avoir un pain près de chez moi qui avait la version arcade. Et du coup, j'ai dû lâcher pas mal d'argent. Ça, combien elle est partie à l'époque? C'était, je crois, 20 centimes. 20 centimes à franc. Je crois que t'avais 5 crédits pour 2 francs. Chaud là. Dommage. Allez, encore un. Ah, Sano qui dit je peux réaliser ton rêve. Je laisse sur nager le 2 sur Neo Geo. Tu me l'offres. World Heroes. C'est très visible ça. Ouais, putain, mais j'arrive pas à sortir les Hadoken. Ils étaient. Oh, c'est le Shoryuken que j'ai du mal à l'époque. Là, tu fais du pied donc. Non, mais ça, d'accord. Niveau IA, on a connu mieux. Hein. Tu vois ? En fait, je suis sur le timing. Je suis sur le timing des, bon, après, des consoles. Exactement. Donc. Viens te mettre devant un peu, Aldric, on te voit pas. Oh, la loose. D'accord. Bah, si, j'essaye. Bon, ok. Bon. Ah, c'est pas le Shoryuken. Bon, bah, déjà, c'est moins bien que la partie que j'ai enregistrée. Que tu peux refaire. C'est moins bien que la partie enregistrée. Directement, quoi. Bon, ça fait rien. T'avais pas dit que tu faisais pas un continu ou deux. Ouais, ou pas, mais non, mais c'était mon but quand même. Faudrait que j'arrive à le sortir plus facilement, en fait. Ça va, je viendrai jouer chez toi. Ouais, tu vois, ah, tu reprends directement sur. Oui, mais quand même. Ils sont pas si basqués que ça. Ah, c'est pas. Vous rappelez. Alors, moi j'ai eu. Moi j'ai eu la console pour Noël avec le jeu. Et je me rappelle, c'est la seule fois où j'ai vu ma mère jouer contre mon père à la console. J'ai l'impression de trouver, enfin d'avoir des mecs qui découvraient le feu, quoi. C'est la première fois qu'on voyait vraiment, tu sais, aussi bien les enfants que les parents qui tentaient de jouer. Ouais. Parce que tu sais, tout le monde passe la vie. Ah bon? Mais moi c'était surtout sur Mega CD qu'ils ont joué mes parents. Moi mon père jouait à Duck Hunt. Mais après. Moi c'était la seule à jouer au Tetris du Super Scope. Tu sais, t'avais les jeux de blocs sur le Super Scope, t'avais les 6 jeux, t'avais. Non, moi jouer c'était à Jurassic Park sur Mega CD. T'as vu la grille? C'était lequel Jurassic Park? C'était le 2 non sur Mega CD? Non, le 1. Non, mais je veux dire, c'était tu jouais le Raptor et l'humain ou. Non, que l'humain. Tu avais la vue du dessus ou vue sur le côté? C'était une sorte de jeu d'enquête ou un truc comme ça, là, d'accord. Avec les objets. D'accord, parce que t'as le jeu sur Mega Drive, Jurassic Park. Ouais, jeu de plateforme. Il faudrait qu'on se fasse la prochaine fois. Ah bon? Le jeu d'X-Files. Ah, sur PS1? Je l'ai pas fait, X-Files. Oh, tu me lâches? Les jeux d'enquête, ah, enfoiré, il va pas lâcher. Dans dizaines. Mais défoncé. C'est pas celui d'ailleurs, il est pas avec Robert Patrick ou un truc comme ça? Non, on
Le héros, on le voit pas. Non, parce que non, mais Robert Patrick, parce qu'il a joué dans Mad Max Fury aussi, Robert Patrick. D'accord. Je m'en rappelle plus. Oui, la Dreamcast, c'est déjà du old titre. Oh oui, non, mais bien sûr, la PS1, maintenant, c'est quoi? C'est 96? C'est, oui, ça a plus de 15 ans. Oh mon dieu, 96. C'était les Space Girls. C'était les Space Girls, ouais. Dans le jeu de. Oh, bah c'est chaud. Blanca. On peut le dire. J'avais dit, ça allait être dur. Allez, vas-y. Ouais, vas-y. Oh, oh l'enfoiré. Bon, le prochain coup, c'est bon. Ouais, non, c'est vrai que mon père, moi, c'était... Il a beaucoup joué sur Mega CD, surtout. Au départ. À Dune, principalement. À Dune était excellent sur Mega CD, d'ailleurs. Premier jeu de stratégie existant au monde. T'as menti ou quoi, Argol, là mais tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein. Sur Mega Drive. Dune. C'est un autre... En fait, on parlait d'un autre Argol, en fait. Ah. Un mec qui sait jouer. Ouh, il a pas aimé, hein. Ouais, mais là non plus, t'as... Vous allez jouer à Call of. On y a joué, moi et Eldric, on a joué, enfin on a joué au Modern Warfare 1 et 2. Sur le 2. Ouais. Mais maintenant on est sur Battlefield. On a migré sur Battlefield, la taille des maps. Là je suis plus gameplay. Oh, ah oui, regarde, déconnez, il me lâche pas. Moi j'avais commencé Bad Company, j'avais commencé. C'est ça le niveau 7. Après j'avais fait 2142 watts, mais j'ai pas trop accroché tout seul. Bon, les amis, envoyez-moi du Genki-Dama parce que je vais en avoir besoin. Bonne nuit. C'est une drogue. Ah. Elle revient à la vie. Bonne nuit. Avec Tom Selleck. Miracle dans la... Hey, quand ils savonnent dans la douche, Tom Selleck. Oh mais c'est fini, toi. Qu'ils enlèvent, c'est abusé. Ouais, c'est du Philippe Caddy. Ah, je me rappelle pas de ce film. Tu as joué à la filmographie de Tom Selleck. Est-ce qu'on joue à des Meuporg, Merwin demande. Non, il n'y a que moi. Toi, c'est même pas un MMORPG, c'est Diablo 3 pour moi. Et Terry. Et tous les autres, non, ne jouent pas au jeu en ligne. Non. Si, il est pas au... Là, j'ai fait quoi là, j'ai refait une ou deux semaines, toute une semaine sur Warcraft. Je dois avoir un perso sur DC Universe Online. Après non, je les ai tous testés pratiquement, j'ai fait les bêtas d'Elder Scrolls dernièrement. Je dois avoir au moins 5 clés gratuites. Même Amazon qui m'en a offert une tellement il n'y a pas de succès sur le jeu. Mince. J'ai reçu chaud, encore une clé cette semaine. Tiens, on vous offre une clé. J'en ai au moins 3-4 par mail, je crois. C'est abusé. J'ai pas aimé du tout, moi j'ai joué 2-3 heures et j'ai arrêté. Tu as Okeana qui te soutient. Merci Okeana, ça me fait plaisir. Ah, Renoué. D'accord, je sais. Ah non. C'est quelle console Renoué? Non, c'est un film. Ah, le film. Parce que je pensais les jeux, t'allais à la saga Renoué. Oui, c'est très très bon jeu d'ailleurs. Exact. D'accord, ok. Toi, tu un petit peu, pardon. Tu l'as là. C'est un vieux film. Oh, ça va, c'est pas si vieux que ça. Oh non! Je kiffe. Ce film, ça y est. Je le veux. Ah non, j'ai jamais vu ce film. Ce film, il me faut. Merci, c'est grâce à votre énergie que j'ai battu Blanca. On s'en fout. Le pire, c'est qu'il fait même pas plus jeune, Tom Selleck. Ah, mais Tom Selleck, il fait la même tête que maintenant. Zangief, pour ceux qui ne connaissent pas la technique, il y a une technique contre Zangief. Avec tous les persos, ça marche.
Il suffit de faire exactement ce que j'ai fait contre Blanca. Ah, le coup de... Ah ouais. Bon, des fois, il peut mettre un coup, mais c'est rare. Bon, là, c'est moins rare, disons. Bonjour. Ah. Ah, mais c'est... Ouais. Et hop, un petit Shoryu pour finir. Il y a Fred, il y a Sano qui demande si tu as commandé le bouquin sur la Mega Drive. Quoi? Fred ne l'a pas commandé. Quel bouquin sur la Mega Drive? Pixel Love? Ah, ça. Non, un autre. En tout cas, moi ça m'intéresse plus que les bouquins Nintendo. Alors ce film, donc c'est quoi? Runaway. Putain. Ah, mais je vais. Ah, il faut que je regarde. Il faut que je vois ce que j'aime du film. Il a l'air juste énorme quoi. Je vous conseille donc Runaway 1984, Tom Selleck. Alors regardez la bande-annonce, c'est. Ah, c'est génial! Ah, c'est kitsch. J'espère que c'est pas. J'espère que c'est pas un God Michi qui sont en train de démonter les batteries. Aïe aïe aïe. Ah non, c'est tout ce qu'il faut. Et hop là, un petit perfect. Ah non, c'est tout ce qu'il faut. Ah, en plus, c'est du Philippe K. Dick, donc un bon scénario. Peut-être une mauvaise adaptation. Je me rappelle, c'est la scène de fin, ça, je me rappelle. Ah ouais. T'as même pas vu que j'ai mis un perfect à Zangief. C'est génial. Renoué. C'est bon, là, j'ai plus. Alors, pour Gaël aussi, il y a une technique. Ah, c'est pour toi. Alors, au fait, C'est quoi cette technique? Alors, bah, c'est qu'en fait, ce petit coup de genou là, tu vois, vers le bas, fois, il contre son flash kick. Donc, Merwin, est-ce que tu as vu Fight Club déjà? Et comme le gars, il ne fait quasiment que des flash kicks. C'est pas vrai. Mais attends, c'est trop laid quoi, ce petit coup de merde, il fait ça. Ouais, bah, par contre, ça en lui enlève pas beaucoup, mais. Ah oui, il fait que des flash kicks, effectivement. Ah bon, là j'ai oublié de sauter, donc forcément il s'est vengé. C'est une bonne guerre. Voilà. Bien, c'est bien, c'est bien. Il voulait pas mourir. Hein. Tu parlais dans ton micro pourtant. Oui, oui. Non, donc je disais donc la dernière fois donc j'ai fait la bande originale de la semaine c'était sur Fight Club. Bah grosso modo en fait si tu as vu le film je t'apprends rien. D'ailleurs ouais Fred est arrivé, du coup j'ai été déstabilisé, j'ai spoilé la fin du film. Donc je recommencerai pas. Et surtout en fait je voulais parler des Pixies et de Wise Man Mike qui est en fait la musique du film. Qui est juste en fait, un très très bon morceau que je conseille. Un gros classique du rock. Il était gentil la guy là. Il s'est bien raté. Oh là aussi il a été très bien bien. Ouais, je l'ai contré, c'est tout. Est-ce que tu as vu la pub je sais pas roumaine de Ryu qui défonce la voiture pour oui, une assurance vu, ouais. C'est énorme. My Dragon Ball. Bon, par contre moi j'ai des je pense que Capcom a porté plainte. Je pense aussi. Je pense que Capcom, attends, les pauvres. Ah, je suis pas sûr qu'ils aient payé les droits. Hein. Je pense pas qu'ils aient payé les droits. Tout court. Voilà, réunion, je ne peux pas parler de Fight Club. Je me souviens que de la fin. Je me souviens pas trop du reste. Gail Stem goes with everything. C'est vrai. Oui, je me rappelle surtout moi du thème de Guy sur Van Damme, sur kickboxer. Et tu l'as pas vu sur Rabbi Jacob, il est génial. Sur Rabbi Jacob, j'ai pas vu. Bon, Dalsim, trop dur, Dalsim. Non, ça va, normalement ça passe. Il est très con aussi, donc, si tu veux. Ouais, dans cette version-là, ouais. Oui. Alors, comment vous appeliez les techniques quand vous étiez petit Ayuken. Attaque cheveux lokai. Ça c'était hélicoptère kick. OK. Dragon Punch. Ah bah il est moins facile que d'habitude. Et puis aussi je crois que c'était le nom du film ou d'un truc comme ça. Saga c'était Hubble One. Ah, oui, Hubble, oui. Hubble One. Parce que je savais pas que c'était Tiger en fait. Higher. Mais t'étais où? Higher. Chun-Li c'était Chin-In-Chan de Chin. Chin-Chan-Chin. Bah oui, c'est une chinoise alors. Chin-Chan-Chin. Non, mais je comprenais rien à ce qu'elle disait. Je fais Chin-In-Chan de Ting. Je fais, mais putain, mais c'est trop bien. C'est trop laid. C'est raciste. Ayuken. Ayuket. Ayuken. Ah, c'est vrai que Dassim pensait à Xerxes dans 300.
faudrait que j'aille le voir. Frank Miller, il s'est jamais caché de dire que. Non, je déconne. Lâche-moi. Le mec aussi, juste. Attention, hop là. Oh, 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 là. Il va faire un. Oh, oh, il t'a cramé les miches. Putain, j'avais moins galéré sur au la zéro partie. Camille, pour lui, il disait ta gueule, ta gueule. Pour Benzaï, attaque napolitaine. Qu'est-ce attaque fait, napolitaine. Il aussi dans Ranma les qu'est-ce attaques fait, de. Les attaques de Ranma, jeu de baston. Ah, j'ai jamais fait celui-là. Ah, bon, et d'ailleurs, c'était. Pour moi, c'était à la morgaine. À la morgaine. Sano. Sano, il est bien placé pour savoir. Donc, par contre, je vois que. Oui, qui joue pâté. Le dernier boss, qui joue pâté. Il a une technique, mais qui joue pâté. Et là, tu fais quoi? Mais pourquoi il dit ça? Qui joue pâté. Ah, toi, tu regardes 300 en cours de latin. Ok, d'accord, c'est trop bien. Elle est bien, votre prof de latin. Ouais, c'est ça. Ah, j'aime pas trop Honda non plus. En fait, t'en aimes aucun sur les 7 personnes. Ouais, non, mais en fait, les plus durs, c'est pas les boss, quoi. Est-ce que vous avez vu 300, enfin le... Non, il paraît qu'il est pas terrible. Vous allez le voir ? Non, pas encore, je devais y aller avec Fred Fee et on y va. Bon, je crois que je vais galérer sur Honda, en fait. Non, je suis allé voir Non-Stop et le crocodile du boss Wanga. Non, mais sérieusement. Allez, on a vu Tekken 2. Alors je peux vous dire qu'il restera pas grand monde en Turquie. La Turquie ne peut plus rentrer en Europe. D'ailleurs, c'est même pas des Turcs, c'est... Non, c'est des Albanais. Des Albanais, mais la fille tue tout le monde. Il laisse tomber. À la, le, à la grenade. Il tue Marco de Troboya. Dans le 2, il tue la famille, le village de Marco de Troboya. Il tue tout Troboya. Mais rigole pas. Bah oui, c'est vrai en plus. Il tue la moitié du village, à mon avis, je pense. Ah, mais le pire, c'est. Le 3, c'est Silent Hill en fait. Parce que quand la fille, quand le père, il fait ouais, vas-y, lance une grenade, je t'entends. Quoi? Ah oui, non, mais elle balance des grenades partout en Turquie, c'est tranquille c'est... comme ça. Elle s'est pas fait tiens, une grenade, tiens. Dans 300, en fait, bon, il paraît. Je vais perdre. Il est pas terrible déjà au niveau bon, de l'histoire. C'est surtout, en fait, ça détruit le mythe du premier film, c'est les 300 soldats contre l'envahisseur. Ouais, parce que là, en fait, t'as la Grèce. En fait, c'était pas que 300, c'était juste genre un petit village. C'est la base, non, la c'est bataille d'Intermobile. Voilà, la bataille d'Intermobile, c'était les 300. Oui, oui, non, mais ça enlève, en fait, ça dédramatise. Mais pas du tout. Et en fait, de comment ils ont remonté le film. C'est parce que, non, vous êtes pas gavé, vous avez pas vu qu'il y avait. Non, j'ai pas vu le film. Ça s'appelle 3000. C'est ce qui a été dit dans toutes les critiques que j'ai lues. Ça dédramatise, en fait, ils reprennent les morceaux du 1 et tout, ça dédramatise en fait celui-là. Putain, faut que j'y aille. Faut que je le voie, quoi. Mais j'allais le voir. J'ai pas eu le temps. Prof de latin qui est votre profession. Ah oh, ah oh. On va essayer de le faire comme ça. Oui, Anus qui la tatoue. Vous parlez latin ? Tu discutes en salle de latin ? Monsieur, il a rigolé quand même. Là. Moi aussi. Ah, faut regarder le sketch de Robo Chicken sur Street Fighter qui est juste excellent. Où t'as le mec qui fait ah, mais je comprends pas, je dois me battre contre Honda et une voiture. Non, non, tu vas te battre contre une Honda. Je savais qu'il était chiant. Péter les Hadoken. Bah, j'essaye. Mais... Il y a bientôt Captain America, la semaine prochaine, je crois. Ah ouais? Ça doit être vers le 19, je crois, il me semble, Captain America, mercredi prochain. Tu vois, il sort pas le. Ah, il y a un troisième de 300 qui est annoncé. Ah, déjà un 300? Ouais. Qu'est-ce que t'as dit, quoi? Il y a un troisième 300 qui est annoncé. Ah bon? C'est ouais. Des 900 alors. Faut qu'ils arrêtent là, les mecs. Round. Ouais, Merwin, d'ailleurs, c'est ce que Merwin dit, ça casse le mythe en fait. Comment ils ont monté, ça fait des dramatiques en fait. D'ailleurs, c'est quand qu'on a le comics là, de... Alors, de toute façon, de toute manière, Frank Miller ne fait plus maintenant que des comics pour faire le pas forcément, non, pas forcément, mais quand on voit le non, non, parce que quand on regarde, en fait, quand on lit le Dark Knight Strike Again, qui est donc la suite de Dark Knight. Merde, le Dark Knight. Ouais, il est pas génial, quoi. J'ai l'impression que Frank Miller, en fait, est surtout maintenant basé très politique. Et bon, j'ai un peu peur, d'ailleurs, j'ai un peu peur pour Sin City 2. Bah, j'ai pas vu le premier. T'as aimé les ouais, les mais bon, le comics, enfin la nouvelle graphique. Ouais, Zéro Camille, je sais, les Shoryuken, mais en fait, je fais la manipulation trop rapidement.
Du coup, j'arrive pas à les sortir comme il faut là. J'ai l'habitude de jouer sur Street 4 maintenant. Ton rival. Ouais. Normalement, tu prends la même technique que contre Chun-Li et ça passe. Oh, la meilleure musique. Il est un peu con, Ken. Il fait que sauter en avant, en arrière des fois. Hop, vomis. Oui, ça m'a toujours fait halluciner en Street Fighter, les mecs qui vomissent. Ouais, d'accord. Ouais, je trouve ça sympa. C'est pas grave. Nous sommes en mode en mode 7 étoiles. Hein. On a un petit résumé. On dit que la 3D est bien donc. Plutôt loin en 3D. Après. J'achèterai plutôt en 3D à la limite que le voir en 3D. C'est vrai que scène de sexe avec Eva Green, un truc de malade. Ah ouais? Attention, c'est vrai, je dis pas ça comme ça, mais c'est vrai. Et même s'il n'y a pas de scène comme ça, rien pour Eva Green. Mais moi, Eva Green, je la trouve très belle. Elle est très très belle, c'est une cette belle femme. Moi, je la trouve. Vous savez quoi? C'est une beauté froide, en fait, Eva Green. Totalement, c'est. Elle fait très. Non, mais. Non, c'est une beauté froide. Non, c'est. Mais elle fait froide, en fait. C'est pas femme fatale, mais femme froide fatale. Mais je comprends femme tout à fait ce que fatale, tu veux dire. Quoi femme fatale. Alors, ouais, normalement. Contre Balrog, si elle marche, parce que ça marche pas toujours, il y a une technique est géniale quoi. Il dit qu'il a trouvé quelque chose pour toi. Hein. Bon, et là il a pas voulu. C'est une photo d'Eva Green. Non, c'est pour Eric, il a trouvé un guide de Street Fighter à 1€ sur eBay si tu veux. Bah, il faudrait qu'il me laisse faire un Tatsumaki Senpokiaku, mais il a pas l'air d'accord. Voilà, ça y est. Normalement là, il voit plus le jour. Tu vois, parce que ça lui met ça le stun à chaque fois en fait. D'accord. Mais tu fais sortir tes pieds. Ou presque. Ouais, il a pas voulu. Ok, ouais, il t'a démonté quoi. Ouais, une fois qu'il enchaîne, après c'est fini. En vrai, attends, attention, il y a tes dents là par terre. Ah oui. De quoi classe comme boss, moi, Balrog. Ah non, il était classe, Balrog. Ouais. Le stage est bonard quoi. Ouais. Bah, tu vois, normalement, ça passe là. Ouais, si. Il y a Jumpman qui dit pour ce boss, il faut avoir le grappin. Vous trouvez dans le 4ème donjon, sinon vous y arriverez jamais. Alors vas-y, prends la bagnole derrière. Ah, et Okaina en sort une pas mal aussi. Une technique, you shall not pass. Ah oui, c'est vrai. Oui, pas mal. Excellente. Okaina, on va l'embaucher pour écrire nos blagues. Quoi ? On dirait moi qui parle. Je refais le hélicoptère kick. Oh, c'est pas possible. Non, je les sors pas. T'as vu l'esquive là ? Ouais, tu l'as là. Aïe aïe aïe. La petite pichenette dans le mollet. C'est ça. Putain, là, je perds jamais contre lui quoi. Ce poids, là, pour finir. Je ne perds jamais contre lui, c'est impossible de perdre contre lui. Ouais, Balrog il me défonçait. C'était là ? Non, mais il est pas là. Oui, certainement. J'ai honte déjà tout seul, tu vois. Si la prochaine fois que je crois, je lui dirai sur Diablo, je lui dirai Argoy, il a. Argoy ! Argoy ! Normalement, ça passe, mal, je comprends pas. Allez, il t'a chopé le lobe. Ah, c'est pas possible. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression que c'est pas le même, c'est pas le même jeu que j'ai chez moi. On arrive à parler de Gad Elmaleh, j'avais lu Gilgamesh. Ou alors je manque cruellement d'entraînement, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah voilà, normalement ça se passe comme ça, tu vois, dès le début du combat. Elle croit plus à le stun. Ouais, mais enfin, pas toujours. Hein. Il aime bien spammer en plus, Balrog. Là c'est fini là. Jusqu'à la fin de l'écran. Ouais. Sérieux. Ah, mais... ah ouais non c'est pas du spam là quoi. T'as compris là la difficulté ou quoi? Sérieusement quoi. Mais tu peux rien faire. Oh non mais attends c'est abusé quoi. Si tu prends pas l'avantage. Bah je l'avais l'avantage mais. Si tu le gardes. Mais en plus j'ai essayé de mettre des petits coups pour bloquer mais en fait sur cette version là ça passe pas. Y'a Kensei Fred qui te dit un gros GG pour la fin de. Ah bah merci beaucoup Kensei. Je suis dégoûté. Prends les films maintenant. Je vous promets, d'habitude, je le finis sans perdre un combat. Ouais, comme moi avec le flashback. Ouais, mais moi j'ai une vidéo qui le prouve. Faut que je ma sauvegarde.
mais... Voilà, normalement c'est comme ça que ça se passe. Il est content là, il est content là. Oui, oui, mais attends, il y a encore un round. Parce que normalement, Vega aussi, j'ai mes deux perfects, mais là je vais rien dire parce que... T'as perdu deux fois, il dit ça. Quel salaud, il est un peu déconcentré. Ok. Il a dit, reste chez toi. Mmh. Ah, il est pas content là. Ah, il t'a fait un criss-cross. Il t'a fait un criss-cross. Ok, avec mon cross. Un booty cross, pardon. C'est bon, j'ai la stunner. Ah, tu l'as là. Bien. Bien. Non, 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 hey, pardon. Voilà. Ah, ouf. Elle est encore 3 boss. Non, 2. Ah oui, 3, il y a Vega. Ouais, c'est Vega, Sagat et. Vega, Sagat et Bison. Lui, alors, si je joue aussi bien, ça va être costaud. Hein. Ah, d'abord, là, c'est quoi comme marque? Non, on dirait une Hyundai. Bon, c'est une Honda, c'est... Ouais, ah, ils sont malins, les Japs. C'est des voitures étrangères, pas les nôtres. Ils le font pas dans les jeux de voiture. Oui, j'ai pas vu Ryu dans le jeu. Ok, Pistol, prépare ta bonne question pour la semaine prochaine, alors pas de soucis. Hop, je casse des voitures. Bien. Ouais, Sano, c'est une Volvo. Volvo. Moi, j'aurais dit Volvo aussi avec le V, mais je connais pas du tout. Non, peut-être la Volvo de Edward Cullen. Oh merde. Il a une Volvo, Edward Cullen ? Ouais. Mais comment tu sais ça ? Parce que j'ai vu Twilight. Oui, moi aussi, mais j'ai pas retenu qu'il avait une Volvo. Alors, il y a un Teddy pour Vega ? Oui, normalement, oui, mais... Normalement, oui. Il faut lui faire du gringue. Ah, c'est celle-là ? Non. Ça. Ah merde, je suis trop okay. Près. Non mais je suis trop près. C'est ça. D'accord. Et après tu lui fais pareil qu'à Balrog. Il perdait la griffe déjà là ? Oui. Il t'a dit quoi ? Il perdait la griffe. Le masque oui. Aussi, non déjà ? Le masque aussi, oui. Et ça arrive, ouais. T'imagines quand tu jouais à Street Fighter. Moi, la première fois, ça a été vraiment la découverte quand tu joues à Street Fighter. Tu sais, t'as pas l'habitude de jouer à des jeux de baston, d'accord ? Ouais, ouais. Donc, tu affrontes tout le monde. D'accord ? Ouais. Et là, d'un coup, t'as 4 autres personnages qui apparaissent. Et moi, mais en fait, moi ils étaient jouer. Déjà dans le jeu, donc. Sur Mega Drive. Ah, oui, c'était le Mega Drive, j'avais les 4 boss déjà. Ah, oui, c'est vrai. Moi, je vais arriver à le choper, oui. Ça serait, moi ça m'aurait fait le coup un peu avec Akuma. Ah non pas ça, je déteste. Je déteste ça. C'était plus dans le quai d'ailleurs. C'était dans le super je crois. Ah là là. Qui tuait le boss de fin pour prendre sa place et... Ok tu l'as là. Non mais... Faut que j'arrive à lui choper. Comme j'arrive. Mais c'est le plus grand de tous les Street Fighter lui. J'ai pas réussi à lui placer mon combo. Ouais, ça nous dit c'était Street Fighter 2 Prime sur Mega Drive. Ouais. Exact. Championship Edition. Abominable avec la manette 3 boutons quoi. J'avais la 6. C'est ça que j'avais acheté une 6 dès le départ. Il valait mieux. Ouais. Top dès le départ. Dès que voilà, j'ai c'est le bon. Normalement, il voit plus le jour. Ah d'ailleurs, faut que je teste celle sur Dreamcast, ces boutons. Là, tous mes manettes ne marchent plus. Comme tu connais bien les patterns, en fait. Ah oui. Ces boutons sur Dreamcast. J'ai une manette, ces boutons Dreamcast. C'est-à-dire. Oui, c'est ça. Avec ABC, XYZ. D'accord. Comme une manette. Bon, bah les deux derniers, par contre, ça va être tendu. C'est pas vu mon niveau de ce soir, ça va être tendu. C'est ça, parce que pour le jeu de baston, c'est sympa, quoi. J'avais une Thrustmaster 4 boutons qui marchent pas. J'ai testé cet après-midi. J'ai perdu plein de fois, tu rigoles. Qui l'a, Sagat ? Ta gueule. Quoique lui, il y en a une aussi. Ah, il y a Jumpman qui a fait un cover sur la musique de Vega. Il passe le lien sur le chat. Là. Ouais, c'est un autre, je suis d'accord avec toi. Bah, je l'ai fait, là, mais un peu trop tôt. Pour, en fait. Street Fighter 2. Ouais, et en fait, c'était du suicide ce que j'ai fait. Faut attendre qu'il arrive à balancer des Tiger fire. Shot en bas en fait. Moi, je disais Fire en fait. Fire. Ah ouais, putain, c'est un peu. Voilà. Là tu enchaînes de ça, ça et ça. Voilà.
Des maigrichons encore dans celui-là. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, grave. Apparemment, le sprite de Saga dans Street Fighter Alpha est juste excellent, quoi. Si tu veux. Ah mais il est bien mieux Alpha 3. Non, 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 attention, Rival School 2 démonte. Et j'ai pas joué, j'avais qu'une version de Jap. Qu'est-ce que je fais, n'importe quoi. On a aucun qui continue à t'encourager, c'est d'ailleurs la dernière parce que. Bon, oui, y'a plus qu'elle. Ouais, on est un peu. Ah mais je fais de la merde en plus hein, donc. Un petit peu. Ouh là là. Saga, t'es grossier. Après ouais les Spider, il y en avait plein, il y avait les double impact, le Surf Strike, ils ont sorti 3. Oui, il y avait la série DX aussi en 3D. Bah pas sur. Non, c'est sur PS1, sur PS2, mais comme je disais, les EX c'était pas tendu directement par Capcom, mais il restait quand même de bons jeux. D'ailleurs, c'était le gameplay de Rival School en fait, hein, les EX plus Alpha. Il ouais, y avait des personnages. Oui, il y a Enorial qui m'encourage encore un peu. C'est gentil. Ça me touche beaucoup, sachez-le. Bon, par contre, ils étaient extrêmement moches. Aïe. Oh, là, un peu trop tôt. Il m'a bien mystifié, quoi. En fait, faut pas aller trop vite. Faut être prudent avec. Non, Saga. C'était pas si pourri que ça, les XDS. La patate dans Portal. La patate dans Portal. Portal 2 à la patate. Oui, quizlet. Ah, écoute, je l'ai eu le jeu, je l'ai pas commencé. Tu devrais. Ouais, je sais, mais déjà je suis bloqué dans le 1. Alors... Ah, qu'est-ce qu'il fait là ça, les énigmes. Ah, qu'est-ce qu'il fait là c'est pas vraiment des énigmes, mais. Faudrait que je me fasse un walkthrough en fait. Il y a plein de vidéos sur tous les sites pour certains passages, même moi je crois. Ouais, mais même avec le tout, j'arrive pas. Je veux pas faire de conneries là-bas. Des gels. Ouf. Ah ouais, c'est formidable. Ouais. Formidable. Ouais, mais je gagnais par le temps sinon. Mais tu as l'histoire de. Ah, mais attends, tu as vu comme je flippe sur les jeux de plateforme. Enfin, t'imagines même pas sur Portal quoi. Mais Portal c'est encore pire, c'est ça. Dernier boss, disons. Allez, on y va. Oui, les yeux conjonctivite là. Oui, Sano, il est génial, Portal 2. C'est le meilleur jeu du monde. Bon, c'est surtout particulier. Même dans Street Fighter Alpha 3 d'ailleurs, Bison a pris. Il y a beaucoup de muscles. Ah, il démonte dans Alpha 3, Bison. Mais la meilleure torche. Torche, c'est fantastique. Non, mais quand il fait l'attaque, c'était dans Marvel vs Capcom 2. 3, j'ai pas joué. Et elle prend tout l'écran, je me souviens l'attaque. C'est ça la technique en fait. Oui, sauf que voilà, ça marche pas. Il y a pas vraiment de technique contre lui, il a plusieurs patterns alors. Voilà, j'ai raté mon Shoryu par exemple. Le tout c'est de le tuer quand il fait la torche quoi. Mais c'était un round d'observation là, il va être énervé, tu vas voir. Ah, en fait c'est comme Kayane, elle fait un petit round. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Kayane qui joue dans l'IA quoi. Moi, Kayane, elle me démontait dès le premier round. Hein. Voilà, tu vois, ça par exemple, c'est un des coups qui enlève le plus d'énergie dans le jeu. Quoi. Un tiers, ouais, de ta barre. Ouais, tu perds pas de. Ouais, par contre, quand tu te poses défend, il te touche pas. Ah oui, pas comme Balrog qui te démontait quand même. Qui perd sa garde en fait. Oui, parce que c'est les coups spéciaux qui t'enlèvent de l'énergie. Et donc, quand tu fais des coups normaux que tu te protèges, tu perds pas d'énergie. J'avais le petit point enflammé quand même. Hein. Il y avait, des couleurs différentes, il me semble, pour les différents niveaux de puissance, non ? Ou c'est que sur Mega Drive, peut-être ? Il va l'avoir à l'usure. Ouais, mais. Tu attends qu'il vieillisse en fait pour le tuer ou ? Faut que je fasse comme ça. Ou le fond de live. Le cross-up ! Wouah ! Ah, la pression là ! C'est lui qui a la pression, c'est pas moi. Ah, tu vas pas gagner sur un timeout ? Non. Ah, oh, 0 secondes, c'est une belle victoire. C'est bon. Et voilà. Argol vient de finir Street Fighter 2 en mode 7 étoiles ultra hard. Of the dead. Eh ben écoute, est-ce que tu seras le record de Beat'em All ? Quoi ? Non, mais c'est avec Guile qu'il faut le faire. Ah, c'est avec Guile. On a droit à la vraie fin alors ? Bien sûr, ben pourquoi y a pas de fausse fin Ah, si, oui, t'as une vraie fin. Oui, t'as le truc en plus à la fin quand tu le finis au dernier niveau. Where is the champion ? Pourquoi tu peux le finir avant le. Si tu finis au niveau pas 7. Ah, ok. Ouais. Est-ce que c'est le Saint Graal qu'elle a dans les mains ? Non, c'est une coupe. C'est une coupe.
L'animation était vraiment géniale. Ouais. Yeah, merci à tous pour votre soutien. Regardez, parce qu'après les fins, ça a toujours été comme ça dans chez Capcom. Hein. C'était toujours. Je marche dans le soleil. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai que Capcom n'a jamais fait. Ah si, sur Street 4 quand même, c'est. Ouais, ça va. C'est un petit peu animé, on va dire. Ouais, un petit peu. Un peu. Bonjour. Plus les intros quand même, mais. Allez, je m'appelle. Je m'entraîne sous la cascade. Hein. Je m'appelle Arg. A R. Champion Argol, champion. Yeah. Et là, vous allez voir la vraie fin du jeu. Avec la musique que je préfère dans tous les Street Fighter 2. Je kiffe cette musique. Oui, oui, excellent. Mais c'est pas. C'est pas, c'est pas la même en fait. Elle a les. Non, c'est pas la même. Qui ressemble. Bah, c'est, le thème est pas tout à fait le même, mais. Ah, elle est sympa. Bah, elle fait très, très Megaman. Hein. Et bah, tu sais que dans le jeu Megaman Cross Street Fighter, oui, le mec qui a refait la BO a refait celle-ci version 8 bits, quoi. Excellent. Et elle déchire. J'aime bien, il y a le casting. Alors, est-ce que vous savez que le prénom de Honda. Edmond. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Bah, parce que un de ses deux parents est français. Sa mère, probablement. Oh, bah oui. Oui, sa mère, ça vraiment vu que. Ouais, il y a la photo de groupe. C'est grâce à ça que tu as fait la 8. Il y a l'équipe des Stars dans l'hélicoptère. Ah bon? Alors, j'ai cru lire aussi quelque part que, en fait, souvent dans les crédits de fin de Street Fighter 2, tu vois pas les vrais noms des développeurs. C'est des surnoms qu'ils ont. Et j'avais une explication, c'est que pendant le développement, ils avaient pris l'habitude de s'appeler par leur prénom. Et après, c'était Capcom qui avait obligé à ce qu'ils gardent leur surnom pour certains, quoi. Tu vois, Bunny, Kix et tout, ils ont tous voulu garder leur. Ils ont tous voulu mettre leur pseudo, quoi. Tu vois, MX5, Shin, Akiman, c'est pas des vrais noms, ça. Je comprenais pas pourquoi à l'époque le design, parce que maintenant, tu vois, Zangief a des cicatrices, mais dans Street 2, il saigne. Bah, en fait, c'est à mon avis. C'est quoi, des vergetures, c'est. C'est des cicatrices, mais récentes. Il a eu un accident de voiture en arrivant au tournoi en fait et Jean-Min Chang. Ouais, mais il interloque beaucoup Jean-Min Chang. Agar quoi. Il y avait Mickey, tiens, tu as vu. Et là, ce qui est bien, c'est quand les deux font. Ah, t'as vu, je suis dans les remerciements. Arg, c'est moi. Non, en fait, c'est Arg. Est-ce qu'ils vont faire le même geste tous les deux? Yeah, la classe. Yeah, le même sprite. Oui, le même sprite, juste les cheveux qui changent. C'est net. Alors voilà, tu vois, tiens. Tu vois la photo de groupe, là? Ouais. Parce que j'ai perdu des combats, il y a que. Mais si tu finis le jeu sans perdre un seul combat, ce que j'ai fait sur ma cassette VHS, t'as les boss en plus. D'accord. Voilà. J'aimais la gueule de Blanca, quand même. Ouais, mais je pense qu'il va toucher les miches à Shenmue quand même. Hein. Yeah. C'est fini, il n'y a plus rien. Et ben voilà. Bon, les amis, eh bien écoutez. On va vous laisser. On termine ce live peu fructueux, on va dire. Sur Donkey Kong. Bon, pour la suite, avec la fin du Monde des Neiges. Voilà, en fait, je vais continuer de mon côté, arriver jusqu'à la sauvegarde, et à partir de la sauvegarde, on continue. On fera ça. Mm-hmm. Donc, comme ça nous évitera de repasser notre live sur le niveau de la neige. Donc, merci à tous d'être venus ce soir. et puis, bah écoutez, on vous dit à ce week-end déjà au festival. Au replay, voilà. Festival. Donc, à Mou-en-Sartou. Mou-en-Sartou. On dirait une ville imaginaire, je trouve. Mou-en-Sartou, c'est au pays d'Oz. Moi, je vous dis au 22 et 23 mars à Clermont-Ferrand. Aussi, ouais. Je serai à Clermont-Ferrand. Toi tout seul. Et puis voilà, donc. Et sinon, bon, au TGS, Spring Break, 11-12 avril. On aura déjà fait une émission, on aura le temps de le voilà, dire. Voilà, oui, il y aura une nouvelle émission, et puis bien sûr, normalement, la semaine prochaine. Donc, cette semaine. Merci à tous de m'avoir soutenu. L'avant-première de l'épisode 3 de Street of Rage et l'arrivée donc de l'épisode Street of Rage la semaine prochaine. Voilà. Avec un nouvel assistant qui remplace Hub. Pourquoi? Ah bon? Bah oui. Ah oui, qui prend la suite. Ah oui. Qui prend la suite. dans Street of Rage, hein. C'est ça. Bon, les amis. À très bientôt. Ciao à tous. Reposez-vous bien et bon week-end.